dans ma tête, c'est jamais ne s'arrête. Y'a des hauts, y'a des bas, à tourne dans ma tête. Y'a des hauts, y'a des bas, à tourne dans ma tête. Y'a oh oh, 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 oh oh. Dis-moi où ça nous mène, et tout ça me ferait. Canapé 4 Geeks. Alors, on n'attend pas Patrick. L'émission 100% posée. 100% posée. De 100% geek. Bonsoir et bienvenue sur Canapé 4 Geeks, l'émission 100% posée de 100% geek. Je suis Chouk et comme tous les lundis soirs, on se retrouve pour 2 heures d'actualité sur tout ce qui concerne l'univers geek, à savoir les jeux vidéo, les séries, le cinéma, les mangas, la japanimation et tutti quanti. Voilà, ce soir malheureusement j'ai peu de co-animateurs avec moi, mais en tout cas il y en a un qui est au moins toujours présent avec moi et qui m'a beaucoup copié, bordel de merde, sur mon t-shirt, à savoir Herbie. Salut Herbie. Salut Chouk, salut tout le monde. Ça va ? Ça va, ça va. Ah, tu parles un peu plus fort maintenant là, c'est bien. Ah. C'est bien. T'as chopé de la testostérone pendant la nuit, c'est très très bien. J'ai surtout un petit peu plus de temps pour me préparer. Hein. Oui, ça va, passer un bon week-end ? Ça va, ça va. Qu'est-ce que t'as fait de beau ? Au repos surtout. Là, repos surtout. Après, écoutez, on est vieux maintenant, faut se reposer un peu voilà. Plus. Hein. On fait mon petit sapin aussi, avec un chocolat chaud. Ah oui, avec un peu de rhum dedans, c'est ça ? Ça, il faut pas le dire. Mais oui, voilà, non, à boire avec modération, l'alcool est dangereux pour la santé. Voilà, enfin bref, on se comprend tout à fait. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sur www.playfm.fr, également sur le live Facebook de la radio, donc PlayTMX pour le Facebook, si vous ne le savez pas. Bon, je pense que depuis quelque temps, vous êtes habitués. On souhaite la bonsoir, bien entendu, à tous ceux qui viennent de nous rejoindre sur ce live, à savoir Christophe Lescureux, bonsoir à toi. Tommy Wozniak, c'est également qui est là. Hello, bonsoir à toi. Jérôme Colo qui est là. Et non, Jérôme, Serena n'est pas là. Serena est au travail. Elle termine très tard. Elle termine vers 21h. Donc, du coup, c'est un peu compliqué à faire après, à revenir. Et puis, pour la fin de l'émission, quoi. Job, lui, n'est pas là. A priori, Inch'Allah, comme on dit chez ici, Mach'Allah, il devrait arriver d'ici peut-être une demi-heure. Après, on verra bien comment ça se passe. Et Max, malheureusement, Max n'est pas là et ne sera normalement plus là les lundis, malheureusement. Peut-être qu'il se libérera une fois pour faire une dernière avec nous, mais malheureusement, il ne pourra plus être là. Parce qu'il commence du coaching sportif avec un club, et donc c'est quand même super bien, quoi. C'est super important pour lui, donc on lui souhaite vraiment tout le succès qu'il mérite, parce qu'il mérite tout le succès qu'il a fait pour pouvoir en arriver jusque là. Franchement, respect à toi bro, en tout cas on aura passé de très bons moments avec lui. Ça nous aura fait bien plaisir, ça a apporté également son lot de viewers qui le regardaient. Enfin, bref, ah bah écoute, faut bien qu'il serve à quelque chose. Hein. En plus, j'avais des news pour lui, oh, je suis un peu déçu quand même. Je pense qu'il va, il va passer l'émission pendant qu'il est en train de coacher, et ils vont faire « Coach, qu'est-ce qu'on fait ?»« Ah ta gueule, c'est bon, démerde-toi, fais son pompe. » »« Mais j'en ai déjà fait son, bah t'en refais son. » »« Et avec un bras, et une main dans le dos, et tu te démerdes, je veux pas le savoir. » Bon bref, donc ce soir, on a encore pas mal d'actualités, hein, comme d'habitude.
Et ce soir, on met en jeu sur deux semaines, donc ce soir et lundi prochain, on fait un jeu de deux semaines, c'est-à-dire qu'on va vous offrir quatre entrées, enfin, encore une fois, c'est la même chose, hein. C'est pour c'est une partie d'Escape Game chez nos partenaires de Team Break à Terreville, qui nous offre une partie pour 4 personnes, donc c'est plutôt pas mal, à nos auditeurs. Donc pour cela, vous avez juste à nous appeler en antenne, hein, tout simplement, et à jouer avec nous sur du blind test. Voilà, il n'y a rien de très compliqué, les blind tests sont assez simples, il y a un peu de tout, il y a du film, il y a du dessin animé, il y a du manga, voilà, il y a un peu de tout, je vous donnerai la liste quand vous le souhaitez. Voilà, donc tous ceux qui auront joué avec nous et qui auront bien entendu gagné le droit d'être tiré au sort, dans deux semaines, on fera le tirage au sort et on dénigrera la personne qui aura gagné cette entrée pour 4 personnes. Voilà, tout simplement. On va lancer tout de suite l'émission avec toujours, comme d'habitude, deux morceaux pour commencer en beauté. Enfin, on va commencer... On va commencer doucement parce que bon, Smash It Combo D, pour commencer, c'est peut-être un petit peu violent quand même. Hein. Après, pour se mettre en jambe, c'est une bonne chose aussi. Hein. Oui, ça réveille pour le lundi soir, mais bon. Et on va commencer doucement, on va s'écouter l'opening de One Piece, à savoir le morceau éponyme We Are de Hiroshi Kitadani. Voilà, il y a un peu de mal. Et après, une petite parodie sur certains morceaux faits par nos amis du Palmacho qui incarnent donc les Bobos avec le morceau Quinoa. Voilà, donc vous êtes bien sur playfm.fr, sur Canapé 4 Geek, et bien entendu vous avez fait le bon choix. À tout de suite. You want
my friend. Chez nous, c'est que des hits. What's up, guys? This is Bruno Mars. This is Ariana Grande. We are the Chainsmokers. Yeah. Play, Hit and Mix. Hit and Mix. Le monde est rempli de haine. Il y a des gens qui mangent encore du gluten. Ce monde est sans foi ni loi. Les restos Jap sont souvent tenus par les Chinois. Ce monde nous fait peur. Je dis ça, je dis rien. Des gens mettent hashtag nos filters. Y'a un filter. Ce monde ne pense qu'à la thune. C'est dit dans notre nouvel album dispo sur iTunes. Je dis ça, je dis rien. On a des problèmes. GoPro qui se coupe trop tôt. Les fausses tortos sur le macchiato. Je dis ça, je dis rien. Mais je dis même. Les brunchs sont quinoa, quinoa. Tu sais, je suis Christine, le Christ, Inès, le Queen. Je m'appelle pas vraiment Christine, mais je suis quand même la Queen. Je peux danser, chanter, chuchoter, je sais même respirer. T'as vu, c'est joli, petite maison dans la prairie. C'est moi la première, nananananère. Je dis ça, je dis rien, on a des problèmes. GoPro qui se coupe trop tôt, les fautes d'ortho sur le macchiato. Je dis ça, je dis rien, mais je le dis quand même. Les brunchs sont quinoa, quinoa. On a des problèmes. Plus de freins sur mon fixie, Airbnb sans wifi. On dit ça, on dit rien, mais on le dit quand même. Nous vous pointons du doigt. À qui le droit ? À qui le droit ? Ce soir, 20h30, 22h30, on s'enjaille un max avec Canapé 4 Geeks, l'émission 100% opposée de 100% Geek. Oui, d'ailleurs, ce morceau-là, on le dédicace tout spécialement à Max. Avec ce délire de nutrition, de gluten et compagnie. C'est grande dédicace pour toi, frérot, si tu écoutes. C'est pour toi, Sissi, la famille, TM, tu sais. Voilà, comme on dit quand on est Jones. Bref, alors, on va peut-être un peu commencer. J'ai oublié de faire une petite précision, c'est que ce jeu, donc ce fameux jeu avec Team Break, qui permettra donc de partir avec votre partie pour 4 personnes d'Escape Game, il faut bien entendu nous appeler au 09 77 19 90 90. Eh oui, si je donne pas le numéro de téléphone, en même temps c'est marqué sur la vidéo, voilà, après, c'est oui. Comme le port salut. Après, ceux qui nous écoutent, qui nous regardent pas sur Facebook, bien entendu, il faut bien que je leur dise 09 77, 19, 90, 90. Vous m'appelez, boum, vous jouez avec nous, blind test, vous remportez. Allez, sur 5 extraits, vous en trouvez 3, c'est bon, c'est gagné. Vous êtes sélectionné pour être tiré au sort dans 2 semaines. Voilà. Oui, c'est un jeu sur 2 semaines parce que bon, bah, c'est quand même un beau cadeau. C'est quand même du cadeau qui coûte un peu du pognon. Ouais, ça coûte quand même. Hein. Ouais, donc on va pas non plus. Bref, donc j'ai encore pas mal de news. Hein, et puis en plus, moi ce soir, j'ai prévu de vous parler. Des premiers programmes originaux de Disney+, puisque Disney+ est enfin sorti aux États-Unis, pour nous faudra attendre en mars, et également des films d'horreur prévus pour 2020 qu'on attend avec une énorme impatience, et ça ce truc là ce sera pour dédicacer à Serena. Et toi, quant à toi, qu'est-ce que tu nous as concocté pour ce soir? Une review sur un film. Oui, un film que j'apprécie particulièrement. Tu m'as dit en plus hors antenne que c'était un nanar aussi. Un nanar, voilà. Oui. On en saura un peu plus pour après. On garde un peu le suspense. Moi, je sais ce que c'est, mais je ne spoilerai pas. Je ferai juste un rire et comme ça, vous comprendrez. Voilà. On a compris. Il n'y a pas beaucoup de monde qui ont ce genre de rire. Voilà. D'ailleurs, le Palmacho, on a fait une vidéo avec lui, et justement, il dit non, sans le rire. On a fait, oh, pardon. Bref, allez, on va passer tout de suite aux actus. Alors, on va parler déjà Game of Thrones. Oui, alors même si ça fait 6 mois que c'est fini, eh bien, on a eu une scène apparemment coupée
dans la bataille de, de Winterfell. Felwinter, Destiny, rien à voir. Donc, là, donc la saison 8 s'est terminée il y a déjà 6 mois de ça, et à l'occasion de la sortie du coffret DVD Blu-ray de cette ultime saison, la production va dévoiler de nombreux contenus inédits, dont une scène coupée de la bataille de Winterfell. Alors, pour ceux qui n'auraient pas encore regardé, je vous laisse 5 secondes pour couper le son. 1, 2, 3, 5. Voilà, je m'en fous du 4. Allez, c'est parti. Parce que ça a un peu spoilé quand même. Mais bon, ça fait 6 mois, c'est bon. Ouais, c'est bon, voilà. C'est passé de date maintenant. Eh, c'est bon, il y a prescription, ça suffit. Donc, parmi les contenus inédits, donc il y aura une scène coupée de l'épisode 3 qui a été dévoilée. Elle se déroule lors de la bataille de Winterfell. Elle ne dure que 2 minutes, soit la durée maximum du rapport sexuel de Max dernièrement. Oh, c'est méchant. Mais elle est particulièrement intense. Oui, c'est ce que ça décrit également. <là. rire> Et pour cause, donc la séquence a lieu dans les cryptes du château des Stark, dans lesquelles on peut suivre Tyrion accompagné de Sansa, Gilly et Missandei en train de tenter de s'échapper à des morts-vivants après que les cris et pleurs du bébé aient trahi leur cachette. Et à la fin de la scène, on découvre alors Tyrion Lannister avoir recours à une lame de ver-dragon pour tuer un mort-vivant. Voilà, donc le petit nabo, bah, il a quand même réussi à buter du mort-vivant, enfin du mort-des-glaces, quoi. La scène en question a été dévoilée par le site américain Entertainment Weekly et vous pouvez la découvrir sur Internet si vous cherchez bien, puisqu'elle a été forcément diffusée allègrement. Et pour rappel, le coffret DVD Blu-ray de la dernière saison de Game of Thrones est disponible normalement cette semaine, avec en bonus le documentaire The Last Watch ainsi que 5 autres scènes coupées. Voilà, ce qui augure pas mal de grosses surprises pour la suite. Est-ce que tu as regardé Game of Thrones, toi, Herbie? Oui. Oui, t'as quand même tout suivi. Je t'ai pas spoilé allègrement. Non, du tout, ça va. Tant mieux. Bon, ben j'espère en tout cas que vous, dans le chat, et également ceux qui nous écoutent via le site internet, vous avez regardé également toutes les saisons de Game of Thrones. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à nous dire, vous, quelle a été votre scène préférée dans le chat. N'hésitez pas à nous dire qu'est-ce que vous avez préféré dans Game of Thrones, à part les scènes de fesses, bien entendu, parce qu'il y en a un peu partout. C'est un peu compliqué. Bref, sans transition, bien entendu, on va faire passe de série à film. Tu vois, on essaie d'avoir un petit, quand même, un lien conducteur. On va parler là, Black Panther 2. Est-ce que tu es Marvel? J'ai quand même... suivi Marvel. Voilà, j'ai suivi Marvel dans tous les cas, oui. Après, tu préfères DC? Après, DC, c'est, comment dire, c'est plus l'univers que je préfère en général. Après, si on parle cinématographie, forcément que je vais aller vers Marvel, et encore pas forcément tous les Marvel. Je trouve que c'est souvent surjoué. Il y a certains Marvel qui sont un peu en dessous des autres. Après, Endgame, voilà. Ah, t'as pas aimé? On va dire comment il s'appelle, un Thanos un peu trop flagada à mon goût. Oui, il aurait pu être un peu plus psychopathe. Dans quasiment tous les films, j'affectionne beaucoup les méchants. C'est des profils que je recherche beaucoup parce que c'est pas forcément les plus évidents à jouer. Oui. Et là, je sais pas. Moi, je le trouvais très bon en tant que Thanos. Après, Thanos retraité qui fait son petit potager, y a aucun problème. Hein. Papy Thanos. Voilà. Non, mais après, c'est vrai qu'ils auraient pu un petit peu accentuer ce côté un peu psychopathe quand même. C'était quand même un gros sociopathe, faut le dire ce qui est. Dans son raisonnement, voilà, il y avait du juste, il y avait de l'idée, mais c'était la façon de faire qui était un peu compliquée. Voilà, bon, la façon de faire a été rapide. Hein, oui, un claquement de doigts, c'était réglé, la moitié de l'univers disparaissait. Allez, là c'est fini, on n'en parle plus. Et un autre claquement de doigts et l'autre moitié disparaît aussi, par la même occasion. Bah là, on va vous parler du coup Black Panther 2, qui a priori pourrait probablement introduire le prochain grand méchant du MCU. C'est tout frais, ça vient de tomber. Il semble avoir vu quelque chose apparaître là-dessus. Voilà, c'est encore toujours des rumeurs de couloir, mais souvent certaines rumeurs s'avèrent très fondées et ça pourrait. Je vais vous raconter, vous allez vite comprendre que ça pourrait être pas mal, ça pourrait coller en fait avec ce que veut faire par la suite Marvel. Donc, on sait que donc, la troisième phase du MCU s'est terminée avec perte et fracas le 3 juillet dernier avec Avengers Endgame, et du coup les fans s'interrogent sur l'avenir de cet univers au cinéma.
Avec Endgame, les Avengers ont perdu des membres précieux pour leur équipe, mais aussi l'antagoniste principal Thanos, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qui avait quand même pas mal de corpus derrière. Le prochain méchant pourrait a priori être introduit dans Black Panther 2, prévu pour 2022. Encore une fois, je fais warning spoiler, il y aura quand même quelques spoilers, mais bon, pareil, il y a prescription, on a le droit, on peut se le permettre. Donc pendant plus de 10 ans, les fans de l'univers Marvel ont découvert Thanos, le titan violet dont le plan sordide aura coûté la vie à bon nombre de personnages iconiques de la saga. Maintenant que le méchant n'est plus qu'un mauvais souvenir, il est parti en poussière, bien entendu, que déjà les fans s'interrogent sur qui va prendre le relais en tant que bad guy. C'est apparemment du côté des 4 Fantastiques qu'il faudra trouver des réponses. C'est ce que j'ai vu. C'est ce que tu as vu, oui. Alors, en 2005, la Fox dévoilait le premier volet de leur aventure en introduisant le Docteur Fatalis. Et si le méchant interprété à l'époque par Julian McMahon, pour ceux qui ne voient pas qui c'est, bah, c'était dans Nip Tuck, le docteur un peu... Enfin, c'était le plus cinglé des deux, on va dire. Celui qui aimait bien plus fourrer que réparer. Voilà. N'avait pas fait l'unanimité auprès des fans, il pourrait avoir le droit à une résurrection de la phase 5 du MCU et non pas la phase 4, donc la phase juste après celle qui va arriver, donc 2022, il y a déjà du temps. Donc selon le blogueur Charles Murphy, Fatalis aurait profité de l'absence des Avengers pendant le snap de Thanos pour agrandir son empire. Donc Victor Von Doom, Fatalis on l'appelle, commencera à élargir son empire, à conquérir des régions d'Afrique et finalement à entrer en conflit avec la nation du Wakanda et donc du coup de Black Panther. Selon lui, il ne faudrait donc pas attendre le reboot de la saga des 4 Fantastiques pour voir pointer le bout de son nez. Fatalis combat-il les mines de vibranium du pays de T'Challa ? Seul le temps nous le dira, mais une chose est sûre en revanche, si Marvel a décidé d'en faire son grand méchant, le personnage devrait être introduit dans plusieurs scènes post-crédit comme Thanos avant lui. Ce qui pourrait être très très malin et en plus ça rejoint une grosse rumeur qui dure depuis déjà quelques temps, où on disait que ça allait être Fatalis le méchant. Entre soit ça pouvait être Fatalis ou Kang le Conquérant aussi, qui apparaîtrait via le monde quantique, blablabla. Enfin, et ça, Fatalis, ça fait déjà un bout de temps que ça revient sur toutes les lèvres, donc je pense que ce serait logique que ce soit lui. Donc, l'introduction du personnage de l'MCU serait une formidable opportunité pour introduire les 4 Fantastiques. Le rachat de la Fox par Disney l'avait déjà annoncé, mais il se pourrait qu'ils aient ici une belle porte d'entrée dans l'univers avec Jane et Johnny Storm, Reed Richards et Benjamin Grimm, qui donc attendront donc la phase 5 pour rencontrer l'équipe de super-héros des nouveaux Avengers, puisque ce ne sera plus vraiment les Avengers, ce sera les nouveaux Avengers. Ils s'allieront probablement pour vaincre le Docteur Fatalis. Aucune information n'a été confirmée par Marvel, qui reste discret sur l'avenir du MCU. Il faudra attendre 2022 et le lancement de la phase 5 pour en avoir le cœur net, à moins que Marvel ne se décide à nous laisser des indices d'ici là. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu en penses, toi ? Après, c'est du Marvel. Non, après, c'est très ce que j'en pense, bon, après, c'est vrai qu'ils ont fait un univers étendu très... Très vaste et varié. Très vaste et varié, du coup... ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent vraiment partir comme ils veulent, sachant qu'ils ont fait quelque chose qui tient la route en plus. Donc, oui, oui, oui. Après, il y a quelques erreurs de chronologie, de timeline, mais bon, c'est... Ça reste encore assez subtil comparé, bon, du coup, à la cinématographie de chez DC. Oui, après, si tu t'y attardes vraiment, il y a quand même quelques petits ratés, mais il faut vraiment avoir le nez dedans et vraiment avoir l'œil là-dedans. Après, ça, c'est du nombre de films aussi qui entourent, comment dire, l'univers étendu. Oui. Oui. Ils ont énormément produit en très peu de temps, sur une dizaine d'années. Ils en ont sorti je ne sais combien par an. Quoi. Oui, et c'est pas prêt de s'arranger puisqu'ils ont prévu d'en sortir 3 à 4 par an. Oui, j'ai vu qu'ils voulaient augmenter le rythme là-dessus. Ouais. En même temps, c'est normal, avec toutes les licences qu'ils ont et qu'ils ont récupérées en plus, je pense qu'ils vont être... Il va être obligé. Après, j'espère que ce ne sera pas au détriment de la qualité. C'est bien beau d'en faire beaucoup, mais... Sachant qu'ils ont énormément de possibilités, comme tu dis, ils récupèrent d'autres licences. Je pense surtout par la Fox avec X-Men, oui. Qui peuvent introduire les 4 Fantastiques. Les 4 Fantastiques également. Donc, on est sur des bases de chez Marvel. Là, ils ont récupéré Spider-Man à nouveau, encore en collaboration, mais en plus, ils ont récupéré Venom, qui fait partie maintenant du nouveau deal. Bah, du coup, ça, je l'attends beaucoup plus, surtout dû par l'acteur qui incarne Tom Hardy. Moi, j'ai beaucoup aimé. Alors, il y a eu beaucoup de critiques sur ce film, sur Venom, mais je trouve que pour une origin story, sans parler de Spider-Man, voilà, ça tient bien la route. Après, le méchant,
Ouais, il est relou quand même. Enfin, le gars qui... Oui. Le gars, je suis le méchant directeur, je veux détruire le monde, c'est parce bon. Parce que le méchant Venom reste un méchant. Oui, non, mais pas lui, moi je parle vraiment du directeur qui fait les expériences. Ah, je suis démoniaque, je fais des expériences, ah, tuons tout le monde. Mais ouais, c'est bon. Par ce film, Tom Hardy prouve encore qu'il a quand même un vaste panel de jeux d'acteurs qu'il peut mettre en œuvre. Oui. Et encore une fois, voilà, cette nouvelle origin story de Venom, je trouve qu'elle est plutôt assez bien réussie et pas mal introduit. Bien entendu, les puristes diront, oui, il n'a pas son symbole d'araignée sur le torse, mais oui, mais en même temps, faut vous rappeliez qu'à l'époque, il n'y avait pas les accords entre Spider-Man et Venom, donc ils ne pouvaient pas faire apparaître un signe distinctif sur le Spider-Verse. Maintenant, eux, à côté, Sony, en train de partir dans le Spider-Verse, donc va sortir Morbius, apparemment, ils veulent sortir, comment il s'appelle, le chasseur je sais plus, bref, le gros chasseur qui veut chasser Spider-Man. Enfin, il y a pas mal de films qui sont sur les à côté du Spider-Verse, pas sur Spider-Man. Mais du coup, maintenant qu'ils ont récupéré aussi le droit d'exploiter, c'est un gros mot, Tom Holland, eh bien, ils vont pouvoir l'introduire dans Venom. Et moi, j'ai hâte de voir un combat Spider-Man et Venom contre Carnage. Alors, rien que ça, ça me trébuchait. Ouais. Après, voilà, il y a plein de choses qui peuvent maintenant se permettre. D'ailleurs, je reviendrai là-dessus juste après la petite pause musicale. J'ai entendu une autre rumeur et ça, par contre, ça m'a fait kiffer. Je pense que vous allez tous kiffer parce que ça parle, entre autres, de Hugh Jackman. Mais j'en dis pas plus, je ne vais pas spoiler pour le moment. Je préfère vous laisser la patience de trépigner derrière votre écran ou derrière votre iPhone, votre iPad, votre Samsung, en train de nous écouter grâce à l'application, bien entendu. Oui, t'as vu la petite pub glisser comme ça rapidement. T'as vu hein, c'est bon ça. Bref, je vous laisse un petit peu le suspense. On parlera de Hugh Jackman. Et ça, j'ai vu une petite rumeur. Là, ça, c'est pas mal. C'est pas piqué des hannetons comme on dit. Allez, on va s'écouter deux morceaux. On va s'écouter Linked Horizon, donc avec Guren Yumiya. Pour ceux qui ont reconnu, c'est l'opening de Shingeki no Kyojin, alias l'attaque des titans. Et juste avant, ce sera Go du groupe Flow. A tout de suite sur playfm.fr. Oh,
Toute la journée. Hit and Mix. Sur Play. Ta radio. Thank you.
émission 100% posée. 100% posée. De 100% geek. Toujours bien ces morceaux vachement épiques. En plus, les Japonais savent vraiment y faire avec les openings. Y'a pas à chier. Là-dessus, oui. Hein. Ça change des les chevaliers du zodiaque ou Dragon Ball Z. Bon, après, j'ai pas envie de dire, ça reste nostalgique quand même. Oui, y a mais là. Quand tu prends du recul, Dragon Ball Z, 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 gentil Sangohan. Non. Musicalement parlant, c'est non. Pas le. Non, c'est Dragon Ball Z, c'est pas Sangohan. Sangohan, en plus, que tu vois ce qu'il est devenu, c'est une tapette. C'est Sangoku et c'est Mar. C'est tout. Bon, bref. Et on va parler des petites infos qu'on a eues là ces derniers temps. Donc, on a parlé, on en parle juste après, mais on a parlé notamment, donc, juste avant que la pause musicale, on a parlé de Hugh Jackman, donc alias Mr. Wolverine. Il avait annoncé, depuis fort longtemps, que voilà, le rôle de Logan, c'était fini. Mais il a dit aussi, en film solo, c'est-à-dire que s'il doit y avoir des collaborations, il ne serait pas contre reprendre les griffes d'Adamantium. J'en connais un déjà qui ça pourrait beaucoup faire plaisir, hein, alias son meilleur ami, alias Ryan Reynolds, alias Deadpool. Ce qui pourrait être génial, Deadpool et Wolverine. J'attends que ça avec impatience. À choisir, je préférais un petit contre Hulk, ouais. Et ben justement. Justement. Il semble que j'ai entendu parler de semaine, ça. Cette semaine. Mark Ruffalo est allé voir le patron de Disney parce que Kevin Feige voulait parler avec lui de l'avenir de Hulk dans l'univers du MCU. Je l'aime pas comme dans le rôle de Hulk. Et bah, moi, bizarrement, je l'aime beaucoup. J'ai largement préféré Edward Norton, ouais. Qui est plus sombre en fait dans son interprétation. Mm-hmm. Que là, non, j'ai l'impression que c'est Hulk qui part avec son panier cuire des champignons dans la forêt ou dans les prés, tu vois. Non, le Hulk est cool, quoi. Le Hulk est cool. Après, voilà. Après, je dis pas, il me fait rire. Je dis pas, il me divertit, mais il me fait moins ressentir quelque chose en fait. Mm. Trop effacé, ça. Je pense dans l'MCU, il est un peu plus en second en rôle. Retrait, en retrait, ouais. Ça risque pas de s'arranger avec son bras en Zef. Du coup, et puis en tant que professeur Hulk, a priori déjà pour la suite, il devrait servir plus ou moins de mentor à la prochaine génération d'Avengers. On aurait déjà un nouveau Hulk qui va s'intégrer, donc un Hulk japonais ou chinois qui existe dans l'univers Marvel. Je crois que c'est dans les deux Avengers. C'est un gamin de 16 ans qui lui n'a pas du tout peur du pouvoir de Hulk et justement il en profite à fond. Donc c'est un Hulk très libéré. Un ado insupportable, quoi. Voilà, c'est ça, une bonne tête à claque. Et lui, donc, devait aller voir Kevin Feige pour parler justement de cet avenir. Et lui aimerait bien voir porter à l'écran un film Hulk versus Wolverine. Ça, oui, non, c'est une chose que j'attendrai beaucoup. Je pense que le combat peut vraiment. Après, s'ils veulent rajouter encore Deadpool en plus dedans. Oh, bah à mon avis, ça pourrait être encore mieux. Ça serait juste magnifique là. Alors, du coup, entre deux immortels contre un truc monstrueux. Après, le problème, c'est que comme il est devenu professeur Hulk, il faudrait qu'il y ait un moment, quelque chose qui le fasse redevenir le Hulk qu'il était, complètement sauvage, complètement agressif. Parce que, bon, professeur Hulk versus Wolverine, on va se faire chier. Voilà, tu vois, entre la cueillette aux champignons et le découpage de bois, tu vois, il y a une différence. Mais c'est exactement ça. Mais voilà, là, ils vont parler de l'avenir de Hulk, on verra bien. Il y a bien entendu, il y a She-Hulk, la série sur Disney+, qui ne devrait pas tarder non plus à être... être tourné, si je ne m'abuse. Et de quoi d'autre on a parlé? De petite rumeur qui est sortie là, c'est récemment, de Michael B. Jordan. Oui. Qui serait donc Michael B. Jordan, le Killmonger dans Black Panther, qui serait tenté d'incarner le prochain Superman. Voilà, alors que Henry Cavill ne veut pas raccrocher non plus. Mmh. Après, je dis pas pourquoi pas, mais seulement pour peut-être juste un épisode. Après, oui, c'est parce que vouloir faire de Michael B. Jordan la nouvelle figure de Superman... Bah, par rapport à l'univers qui est actuellement en place et à ceux qui sont là, c'est... Il n'y a pas d'univers. Après, il y a quelques films que j'ai quand même appréciés. Quelques acteurs, je parle par exemple de Wonder Woman, oui, tu vois. Les acteurs étaient très bons. C'est juste le scénario, bon. Quoi. Après, les scénarios, je suis dans la colle. Après, il y a le prochain Batman que j'attends avec impatience aussi. Avec... Robert Pattinson, oui. Autant... J'avais un petit peu peur, mais je suis curieux. Je suis très curieux. Le truc, c'est que tout le monde l'a descendu, donc c'est le Challenger qui bah oui, peut pas, il peut pas moins bien faire. C'est comme S. Ledger. S. Ledger, tout le monde aussi l'avait descendu, alors voilà. Que c'est un des meilleurs jokers qui a été fait.
Totalement. J'ai pas dit que c'était les meilleurs. J'ai dit que c'est un des meilleurs jokers. Après, ça dépend. Ça reste des jokers différents. Il faut savoir qu'il y a plusieurs jokers à travers l'univers DC. Donc, je pense que pour ceux qui arrivent en tête d'affiche, ils incarnent chacun bien leur propre joker, tout simplement. Oui. D'ailleurs, le joker de Joaquin Phoenix... J'ai pas pu encore le voir, malheureusement. Ok. Alors que je reste un très grand fan de cet univers, mais... Oui. Non, là c'est honnêtement, waouh, j'ai pris une grosse claque. D'ailleurs, il a tellement fait succès qu'il serait en fait. Il y aurait une trilogie, je pense. Oui, a priori, et une apparemment, trilogie. Cette trilogie, ce serait pour l'introduire avec Robert Pattinson, si j'ai bien compris. Ah oui, j'ai entendu un petit truc là-dessus. D'accord. Pour rebondir, après, c'est vraiment une grosse rumeur de comptoir, parce que du coup, ça reste un Joker très jeune. Oui. Et du coup, Robert Pattinson reste jeune aussi également. C'est-à-dire que là, en plus de ça, chronologiquement parlant, ça risque d'être compliqué, parce que Joaquin Phoenix, c'est pas quelqu'un non plus très très jeune non plus. Non. Et vu qu'on l'a vu croiser Bruce Wayne quand il était gamin, ça veut dire que quand il va être en âge d'être Batman, l'autre il aura pris 20 ans dans la gueule normalement. Après Joaquin Phoenix, vieux Joker quoi. Ouais, c'est ça. Du coup, c'est compliqué. Chronologiquement parlant, il y aurait quand même une couille de pâté. Du coup, tu m'as spoilé un petit truc. Mais oui, non, mais enfin, bon, tu t'en doutais qu'il allait le croiser, rien que pour un caméo quoi. Oui, moi un caméo, c'est. Bah, après, je le vois par rapport à la série Gotham aussi, qui a eu plein de clins d'œil comme ça, d'erreurs chronologiques qui. On pourrait poursuivre. On verra, hein, comme on dit, wait and see. Oui, voilà. Et après, bon, pour revenir là-dessus, pour Michael B. Jordan, oui, pourquoi pas. C'est pas le fait qu'il soit black qui va faire en sorte que ça va pas être un mauvais Superman. Dans le DC Universe, il y a eu un Superman black. Mais il me semble que c'est celui-ci qui va incarner en plus. Bah hein. Voilà, et ça n'a choqué personne. Après, voilà. Ça sera pas Clark Kent, ça sera. Je l'ai plus non plus, je crois que c'est Elliot. Je suis pas super à la page avec tout ce qui est l'univers ici. Moi, c'est vraiment plus Marvel, mais je me rappelle justement de ce. Justement, voilà, c'est pas un Superman du coup en Clark Kent, mais un autre vraiment qui vient d'un multi-univers. D'accord, ok, bon, bah, on verra bien, mais pareil, c'est pas le fait, comme on disait en antenne, c'est pas le fait qu'il soit black qui pourrait être gêné, c'est que voilà, on a déjà Henry Cavill qui veut pas raccrocher, plus encore un autre. Ils ont déjà du mal à réussir à faire un scénario décent avec un seul Superman. S'ils veulent en introduire un deuxième, Henry Cavill, je pense que le rôle lui colle parfaitement à la peau. Oui, ça reste un Superman et un Clark Kent vraiment sur les deux côtés du vent. On est d'accord. Je l'aurais vu peut-être un petit peu plus neuneux encore en tant que Clark Kent. Après, il n'y a eu qu'un seul film dessus, du coup, mis à part Justice League, mais à voir. Après, à voir, comme tu dis, oui. Ce qu'on disait justement par rapport à Michael B. Jordan, c'est que, bon, il soit black, faire Superman, pas de souci, pas de problème. Par contre, il y a des rôles, je suis désolé, non. Vous allez peut-être me traiter de me prendre pour un, je sais pas, moi, un mec trop sectaire ou quoi, mais non, il y a des rôles, par contre. Tu peux pas décider de changer comme ça la couleur de peau du jour au lendemain. Par exemple, on va prendre le cas de la petite sirène, Ariel. L'actrice, c'est une très bonne actrice. Le problème, c'est que Ariel, c'est un conte nordique. Les nordiques, ils sont tous blancs comme un cul. Et en plus, dans le livre original, si je ne m'abuse, à moins que je fasse une petite erreur, elle est décrite comme blanche comme la neige, ou blanche, je sais plus, enfin il y a un descriptif comme quoi elle est blanche, c'est pas marqué peau d'albâtre ou peau d'ébène, c'est en gros elle est blanche. Vouloir prendre une actrice qui a un peu de couleur, non, c'est pas une question de black bashing ou alors white bashing, c'est que non, c'est le truc, voilà, c'est elle est blanche, c'est tout, on peut pas changer. C'est quoi, c'est la prochaine étape, on va prendre Mulan, ça va être quoi, ça va être une polonaise rousse. Moi, dans ce cas, j'attends vivement le prochain Astérix, alors. Ouais, où ce sera un mec de 2m25, et Obélix, il sera, ce sera un vegan. Un vegan asiatique. Oh mon dieu, punaise. Du coup, ça tombe très bien, c'est une très bonne transition, parce qu'on va parler des studios Disney. On souhaite bien entendu la bonsoir à tous ceux qui viennent de nous rejoindre sur le live à l'instant, à savoir Violaine, maman, qui je vais faire un très gros bisou. Jean-Marc Dylan Schneider aussi qui vient de nous rejoindre. Hello à toi. Et Daro, tiens, le retour de Daropédia. Punaise.
Ça faisait tellement longtemps qu'on l'avait pas vu, ça y est, il est de retour d'Aropédia. Et c'est Valzod, le Superman Black. Voilà. Donc, il me semble qu'il a aussi un prénom et un nom de famille à côté de ça. Bah, Valzod. Bah oui, il s'appelle Valérie. Écoute, chacun porte sa croix et sa bannière. Hein, écoute. Donc, on va parler du programme 2020 du studio Disney. Donc, l'année 2019 aura Valzod. Ça aurait été sans aucun doute l'année la plus lucrative de l'histoire de Disney, entre les sorties Marvel, donc Captain Marvel, Avengers Endgame, Spider-Man Far From Home, Pixar, Toy Story 4, les classiques d'animation, Ralph 2.0, La Reine des Neiges 2, les adaptations de classiques d'animation, Dumbo, Aladdin, Le Roi Lion, et la sortie de Disney+, avec Le Mandalorian, The Lady and the Tramp. Disney a de fortes chances de sortir grand gagnant cette année, et comme chaque fin d'année, voilà un petit topo de ce que Disney nous prévoit du côté des sorties en salle pour l'année 2020. Donc, si ça vous intéresse, on en fera un pour les sorties Disney Plus de 2020 aussi. Bref, on a, pour le 4 mars 2020, on aura En Avant. Donc, En Avant, qu'est-ce que c'est ? Après l'immense succès des Indestructibles 2 et Toy Story 4, le studio Pixar revient avec un nouveau film en salle, donc le film En Avant. Le studio qui avait promis de ne plus sortir de suite au cinéma et se concentrer sur des histoires originales revient donc avec un film racontant les aventures de deux frères, donc Yann, qui sera interprété par Tom Holland, et Barley, qui sera incarné par Chris Pratt, deux jeunes vivant dans un monde peuplé de créatures merveilleuses où la magie a peu à peu décliné. Ils désirent retrouver leur père disparu pour passer une dernière journée avec lui. Donc En Avant est le deuxième film de Dan Scanlon, qui avait déjà réalisé pour le studio Pixar le Monstre Academy, tout simplement, le préquel de Monstre et compagnie. Et si son premier essai est considéré comme un des films les moins réussis du studio Pixar, il n'en demeure pas moins qu'il reste bien au-dessus de ce qui se fait actuellement en matière d'animation. On espère que son nouveau film remportera plus de suffrages, et on l'espère avec une grosse impatience. Moi j'ai vu quelques extraits, ça a l'air plutôt pas mal, c'est un truc un peu genre Heroic Fantasy, mais dans l'univers Pixar, c'est pas mal, j'aime beaucoup. Après, bah justement, on en parlait, Mulan. Voilà, le 27 mars 2020, donc après Alice au Pays des Merveilles, c'est comme les Mirabelles, mais en plus vert. Alice au Pays des Merveilles, Maléfique, Cendrillon, Le Livre de la Jungle, La Belle et la Bête, Le Retour de Mary Poppins, Dumbo, Aladdin, Le Roi Lion et La Belle et le Clochard, récemment sur Disney+. C'est au tour de Mulan d'être adapté en film action live. Et dès l'annonce du projet, Mulan avait cassé Internet, mais peu à peu, certaines informations ont refroidi les fans du film d'animation. Par exemple, l'absence de chansons, l'absence de Mouchou. Je suis désolé, mais ça, non. Même Mouchou, et puis comme un homme. Oui, le morceau comme un homme. Je suis désolé, mais je ne vois pas qui ne connaît pas cette chanson. C'est comme si tu faisais un live action de La Reine des Neiges sans Libérer, Délivrer. Oh, mais ça ne me dérange pas, ça, par contre. Oui, non, mais ça reste le morceau phare et éponyme. Par curiosité, j'ai quand même regardé La Reine des Neiges, mais j'ai toujours pas compris. Ah. À part désobéir à ses parents, j'ai pas compris. Bah, il y a des pouvoirs de glace, et puis c'est tout. Donc, il faut dire que la véritable ambition de Disney avec Mulan, c'est pas tant d'adapter le film d'animation que d'adapter la légende chinoise, tout en restant dans un cadre disneyien. La première bande-annonce laisse d'ailleurs voir des plans absolument magnifiques, et on a hâte de voir ce que donnera le nouveau film, qu'on pressent être un grand succès au box-office. Le film est réalisé par Nicky Caro, réalisateur de Pai et La Femme du Gardien du Zoo. Donc c'est vrai que la bande-annonce est pas mal, mais il n'y a pas Mouchou, et c'est compliqué. Bon, après, si c'est adapté de la vraie légende chinoise, why the fuck not, j'ai envie de te dire. Après, pour un acteur historique, pourquoi pas, oui. Oui, voilà, c'est ne pas vouloir adapter en tant que tel le dessin animé de Disney et vraiment reprendre la légende chinoise, oui, pourquoi pas. Alors pourquoi ils mettent une petite sirène à la peau d'ébène? Les voix du Seigneur de Disney sont impénétrables, écoute. J'ai envie de te dire. Alors, on va continuer. Donc, pour le 29 avril 2020, il y aura, donc après une année 2019 oh combien lucrative, avec Avengers Endgame est devenu le plus gros succès mondial au box-office, Marvel revient en 2020 avec un film Black Widow. Donc là, veuve noire pour les non-anglophones. Oui, anglophones, tout à fait. L'occasion, donc, pour Scarlett Johansson de renfiler le costume de Natasha Romanoff, qu'elle porte ici, pour un film dont l'action
se déroulera entre les événements de Captain America Civil War et Avengers Infinity War. Donc peu d'éléments ont été communiqués sur le film, donc ce sera pré-endgame, mais ce sera vraiment bien avant le endgame, ce sera vraiment un peu avant Infinity War. Donc le studio se montrant extrêmement discret quant à l'intrigue de ce 24e film du Marvel Cinematic Universe. Tout au plus, savons-nous que le film sera réalisé par Kate Shortland, c'est la personne qui a fait The Silence, que David Harbour, Stranger Things, Hellboy, interprétera Alexis Shostakov, alias le gardien rouge, et que, attention, vous avez 5 secondes pour quitter l'antenne, spoiler alerte, 1, 2, 3, 4, 5, Iron Man sera également de la partie, spoiler fini. On a hâte de voir ce que donnera le premier film Marvel centré sur un personnage féminin, sans super pouvoir, j'ai envie de dire, parce que premier film centré sur un personnage féminin, on a eu quand même Captain Marvel, qui a eu un énorme succès également au box-office, et en même temps, il est vachement bien. On aura également Artemis Fowl le 27 mai 2020, adaptation de la saga de littérature jeunesse éponyme d'Ewin Colfer racontant les aventures d'Artemis Fowl, un jeune de 12 ans, milliardaire à l'intelligence extraordinaire, descendant d'une grande famille de criminels, décidé à en découdre avec le peuple des fées. Il était attendu pour fin 2019, mais était décalé au 27 mai 2020. Le film est signé Kenneth Branagh, bien connu pour ses adaptations des pièces de Shakespeare, mais aussi pour avoir réalisé Cendrillon pour Disney, Le Crime de l'Orient Express, et avoir interprété Gilderoy Lockhart dans Harry Potter et La Chambre des Secrets. Voilà, c'est quand même un grand monsieur. On aura Soul aussi, pas genre Soul, tu me saoules, mais Soul, l'âme. Donc le 24 juin 2020, donc ce sera une année donc, avec deux Pixar, et donc après En Avant en mars, le studio à la lampe de bureau revient dès le mois de juin avec Soul, le nouveau film de Pete Docter, le réalisateur de Monstres et compagnie, là-haut, et vice-versa. Et accessoirement scénariste de Wall-E. Grosse dédicace pour ceux qui auront reconnu le petit clin d'œil des inconnus. L'occasion pour le génie du studio et accessoirement nouveau directeur de la firme depuis le renvoi de John Lasseter d'explorer la question de la vie après la mort tout en rendant hommage au jazz et à la soul, d'où le double sens du titre anglais, soul étant à la fois l'âme et puis le genre musical. Voilà. On s'attend forcément à un nouveau chef-d'œuvre. Et ce sentiment s'est retrouvé renforcé par une bande-annonce de toute beauté qui laisse en plus présager que le studio a encore repoussé les limites de l'animation. Il suffit de voir les jeux de lumière et les textures ultra réalistes présentées dans la bande-annonce. Allez voir, c'est vraiment que du bonheur. Je me tourne juste sur le live. J'ai Daros qui nous dit que... il stoppe les adaptations de live. Ouais, mais oui, mais écoute... Tu sais ce qu'on dit, Daros, quand on a trouvé le bon filon, ce serait très con de creuser à côté, quoi. Bon film d'animation, Klaus sur Netflix, exactement, je te rejoins là-dessus. Je l'ai pas encore vu, on me l'a déjà conseillé. Très bon film d'animation, et si vous voulez un meilleur film d'animation, Spider-Man Into the Spider-Verse, simplement. Je ne dis que ça, mais c'est un des meilleurs films d'animation. Après, on aura... Jungle Cruise, donc le 29 juillet, j'ai pris l'accent anglais en même temps, le July 2020. Donc après Pirates des Caraïbes, Disney adapte à nouveau une adaptation d'un de ses parcs d'attractions en long métrage. Cette fois, c'est autour de Jungle Cruise, une des plus vieilles attractions des parcs Disneyland. Le concept du film est un peu plus simple. Un capitaine de bateau, Dwayne Johnson, voilà. Une scientifique, Emily Blunt, voilà. Et son frère... Jack Whitehall, bon ça va, on a un beau trio, c'est bon, ça commence déjà bien, vous me vendez déjà du rêve Disney, partent dans la jungle à la recherche d'un mystérieux pouvoir et devront se battre contre des Allemands et des animaux. Putain, si les Allemands c'est des nazis, là on atteint la perfection. Le tout réalisé par John Colesera, réalisateur du film d'horreur Esther et de nombreux thrillers et films d'action mettant en scène Liam Neeson, dont Sans Identité, Non-Stop, The Passenger et Night Run. Alors dit comme ça, ça a pas l'air non plus super ouf, mais bon, demande qu'à voir, surtout pour le réalisateur de Esther, parce que Esther, plutôt sympa. Je te dis, moi, les films d'horreur. Par contre, les autres à côté, je les connais, mais pas celui-là. On arrive à celui que j'attends avec impatience, forcément. Eternals, donc The Eternals. Deuxième et dernier film du Marvel Cinematic Universe de l'année 2020, Eternals risque bien fort d'attirer l'attention du plus grand nombre. Tout d'abord, pour son sujet, la guerre entre les Éternels, créée par les Célestes et les Déviants.
Ensuite, pour son casting, et entre autres, bah, Angelina Jolie, non plus sa filmographie, elle fait beaucoup. On va juste citer L'Échange, Mr. et Mrs. Smith, ou dernièrement, Magnifique. Richard Madden, Game of Thrones, The Hollow Crown, Bodyguard. Kumail Nanjiani, donc Twilight Zone. Kit Harington, Monsieur Jon Snow, tout simplement, et puis Gunpowder. Badong Seok, Dernier Train pour Busan, Lauren Ridloff de Walking Dead, etc. Le film sera réalisé par Chloé Zhao, Les chansons que mes frères m'ont apprises et The Rider. Voilà, donc sortie prévue novembre 2020. Ça, c'est un film que j'attends avec impatience. Je veux voir ce qu'ils vont faire. Et a priori, ce serait sur la Celestial War qui serait tiré le pitch. À voir. Je ne demande qu'à m'en donner un peu plus, parce que c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui on n'en sait pas grand chose, à part quelques photos volées sur le lieu de tournage, on n'a pas énormément. On sait juste qu'il y aura Jon Snow et qu'il aura une épée que ce sera le Black Knight. Jusque là on sera pas perdu. Voilà, on sera pas perdu, lui non plus d'ailleurs. Et merde, allez, au revoir mon épée, bonjour mon épée, voilà, ça c'est fini. Et enfin on termine donc avec un film qui m'a donné bien envie aussi, c'est Raya and the Last Dragon, donc le 25 novembre 2020. Donc alors que Disney connaissait son troisième âge d'or, ils avaient un peu laissé reposer leur propre cinéma d'animation au profit de leur autre licence, donc Star Wars, Marvel. Et deux films d'animation Disney sont sortis en 2019, Ralph 2.0 et La Reine des Neiges 2. Mais malgré ce que l'on a pensé, en bien ou en mal, de ces films, on peut pas dire qu'ils étaient très originaux, puisqu'ils n'étaient que des suites de classiques d'animation et ont connu un certain succès. Oui. Je crois que La Reine des Neiges 2 aux États-Unis a pété le box-office. Hein. Ah oui ? Oui, il me semble. Hein. Là, sur les deux semaines, ils sont très bien placés. J'ai pas les chiffres encore. J'ai vu un article, je me semble, hier ou aujourd'hui. Mmh. Et c'était assez impressionnant à voir. Hein. Oui, bah, ça m'étonne pas. C'est quasi officiel, bon ok c'est pas Disney, lol, retour de Robert Englund en Freddy dans le film et une série en Je t'aime Daros, tu viens de me refaire ma journée. Ah oui, Dieu bénisse Freddy. Freddy étant mon film d'horreur préféré parmi les gros monstres du cinéma d'antan. Et apparemment, donc c'est confirmé, retour de Robert Englund, donc alias Freddy dans la première saga. Dans un film et une série. Ah oui, une série Freddy, mais je paye pour voir. Dis-moi que c'est Disney Plus qui va faire ça, et alors là, mais je serai encore plus heureux parce que c'est le seul truc que je vais prendre de toi sur Disney Plus, Netflix, je ne crois pas. Où est-ce que j'en étais du coup ? Il m'a complètement perdu, merci Daros. Donc, une adaptation de Jack et le Haricot Magique intitulée Gigantique avait été annoncée puis annulée à la stupeur générale. On commençait à désespérer de voir prochainement un nouveau film d'animation Disney basé sur une histoire originale et non se voulant être la suite plus ou moins réussie, plus ou moins utile d'un film précédent. Enfin, nos espoirs ont été récompensés puisque Raya and the Last Dragon a été annoncé à la dernière D23. On ne sait pas grand-chose de ce nouveau film d'animation, si ce n'est qu'il sera réalisé par deux réalisateurs. Chose de ce nouveau film d'animation... c'est qu'il sera dans la première... Je vais reprendre. Il sera réalisé par deux réalisateurs qui en seront à leur premier essai en tant que réalisateurs, à savoir Paul Riggs et Dean Willis, ce dernier ayant participé à l'écriture du scénario de La Princesse et la Grenouille, ainsi que Réponse. J'ai beaucoup aimé La Princesse et la Grenouille. J'ai beaucoup aimé La Princesse et la Grenouille également, et j'ai adoré Réponse. La Réponse, je l'ai pas vue, on me l'a beaucoup conseillé aussi. Je crois que... Qu'est-ce que tu fous là, merde ? Non mais sur les Disney, alors là-dessus, je me suis arrêté, ça m'a tellement déçu l'évolution qu'ils ont pu faire, mm-hmm. avec les suites, que je me suis vite arrêté. Et pour La Princesse et la Grenouille, on me l'a conseillé surtout pour l'univers musical qui s'en dégageait. Oui, c'est un univers très jazz aussi. Et donc, un univers que j'affectionne beaucoup, et c'est vrai que je me suis laissé prendre au jeu, et derrière ça, je me suis dit, je vais regarder La Reine des Neiges, et là, j'ai plus envie de regarder Disney non plus. Quoi. Mais pourquoi ça ? Je sais pas, une intuition comme ça. Une intuition. Et je préfère largement me ranger du côté de Pixar, où on produit des choses beaucoup plus... comment dire, conséquente, j'ai envie de dire, avec plus de contenu, plus réfléchi, que maintenant me rabat sur certains Disney, ou après je dis pas, mais un sur deux, j'ai l'impression d'être aux opposés à chaque fois. Ouais, oui, Daros, je confirme ce que tu viens de dire, il a compris pourquoi j'adorais Réponse, à cause du cheval qui adore Réponse. Max, il est juste, il est parfait. C'est vraiment le cheval très fier, mais en même temps très débile. Et j'aime beaucoup. D'ailleurs, un petit extrait. Voilà, je vais pas te le mettre en entier, mais tu auras compris l'univers. Ça t'a donné envie ou pas ? Après, je connais un peu l'histoire, on me l'a déjà raconté, il me donne envie. Maintenant,
faut-il avoir le temps de... Oui, en plus c'est le plus compliqué. De ça. Donc voilà, Rhea et The Last Dragon, on n'en sait pas grand-chose, on sait juste donc, du coup, que ce sera Paul Riggs et Dean Williams aux commandes. On sait aussi que ça se déroulera, l'API commandera, divisé en 5 parties, dans lesquelles une jeune guerrière, Rhea, partira à la recherche du dernier dragon. Même si présenté ainsi, le scénario a l'air assez simple, nous saluons le risque pour Disney. Le seul classique d'animation à avoir flirté avec le genre de la fantasy, c'était quoi ? C'était pas Dragon ? Non. Non, de chez Disney ? Ouais. Dans le fantasy, vraiment, dans... avec un cochon dedans. Un vieux classique d'animation. Du coup, j'avais le roi Arthur, mais... Taram et le chaudron magique. Ah oui. En effet, oui. Mais là, on est dans la fantasy, là, complètement. Oui, fantasy complète. On comparait à Arthur, où c'est plus, du coup, la littérature anglo-saxonne. Voilà, exactement. Et donc, si aujourd'hui le film est considéré comme culte, il avait été à l'époque un échec cuisant pour le studio. On espère que ce film confirmera le fait que Disney est dans son troisième âge d'or et que le film aura un succès tel qu'on a pu connaître avec Zootopie ou Les Nouveaux Héros. L'as-tu vu, Les Nouveaux Héros ? Non. Oh. Je t'ai dit, à chaque fois que sur du récent, je suis assez réticent. Les Nouveaux Héros, par contre, je peux te donner le conseil, tu peux le regarder sans risque. Il est D'accord. vraiment top. Il est vraiment très très top. Et... il y a un caméo de Stan Lee dedans. D'accord. C'est les nouveaux héros, forcément, tout ça. Zootopia est aussi très très bien. Zootopia, on en a aussi beaucoup parlé. Zootopia est très très bien aussi. Voilà, ça c'était pour les sorties Disney 2020. Ah, déjà pas mal à faire. Hein. Du coup, on fera une transition. Là, on part de l'univers Disney où c'est tout beau, tout mignon, tout rose, et on parlera des films d'horreur pour 2020. Ça n'a complètement rien à voir. Oui, je suis comme ça, je saute du coq à l'âne. Sauf que là, en l'occurrence, l'âne il est décapité, broyé, viré et régurgité. Pourquoi pas Disney faire des films d'horreur aussi ? Oui, il pourrait prendre ce risque. D'ailleurs, en film d'horreur, moi, celui que j'attends, et je ne sais toujours pas ce qu'il en est, on avait eu une bande-annonce et Marvel qui se risque dans le film d'horreur, moi, j'ai trouvé ça génial et très couillu de leur part, c'est Les Nouveaux Mutants. Oui. Les Nouveaux Mutants, qui oui, est un film d'horreur. Ça m'intéresse beaucoup. Beaucoup oui. plus, du coup. Moi, je suis très intéressé, très curieux. Du coup, mais pour le moment... Ça ressemble beaucoup plus à l'univers d'ici, beaucoup plus sombre, je trouve. Ah oui, mais là, on est complètement dans le sombre et bien glauque. Quoi. Ouais. Et ça m'a attiré énormément. De dire que voilà, Marvel a décidé de prendre un risque. Voilà, ça, ok. Ça, Mickey, excuse-moi, là, t'as des couilles. Mais sinon... Là, pour le moment, on n'a pas... Oui, t'as juste des grandes oreilles, c'est tout. Les couilles, elles sont au niveau des oreilles. Mais sinon, pour le reste, j'ai pas... Il y a une bonne annonce, et depuis, c'est le calme plat. J'en sais pas plus, on n'en sait pas plus. Il y a eu du retard, du décalage, du ceci, cela, alors que la bonne annonce me donnait envie. Je sais pas. Daro, une petite... peut-être... oublie Les Nouveaux Mutants, c'est mort, et c'est bien dommage. Ah bah voilà. 4 ans que c'est dans les cartons. Ouais, bah voilà. Un beau projet qui est mort dans l'œuf, comme on dit. Bah après, en super-héros assez sombre, il y a aussi une rumeur du côté de chez DC avec Constantine. Ah. Qui devrait se relancer en film. Après, la série était déjà très très bien. Mm-hmm. L'ancien film n'était pas décevant non plus. Je dis pas décevant. Voilà. Sachant qu'il on va pas dire qu'il était bien, pas dire qu'il était nul. À Keanu Reeves, vous avez connu encore qu'une seule expression, c'est celle de Matrix. Voilà, heureusement qu'il y avait Keanu Reeves dedans, quoi. C'est tout. Parce que sinon, le reste. Mais non, pas. La série par exemple était très très bon. Après, ça reste un personnage qui reste intéressant d'être vu, surtout qu'en plus, il parlait. Après, ça reste toujours des rumeurs. Oui. Mais de faire cette Justice League plus dark. Sombre, dark, qui ouais. devrait être là, donc à voir avec les héros qui peuvent lancer autour de ça. À voir s'ils vont le faire. Bon, du coup, on va se marquer une petite pause musicale et ça tombe très bien parce que du coup, on va faire une petite transition avec Disney puisqu'on va écouter Let It Go. Oui, libéré, délivré. Et oui, tu as très bien entendu en version anglaise, mais pas la version originale, voyons. Vous me connaissez, je vais pas faire dans l'original. Un groupe qui a repris Let It Go en rock metal, pas gueulé, mais super bien repris et avec une voix masculine, du coup, adaptée au masculin et non pas. Qui chante. Voilà. Ce qui est très intéressant. Et après, on enchaînera avec Flo X Grand Rodeo avec Howling. Donc, vous êtes bien sur playfm.fr, vous avez fait le bon choix. Snow glows white on the mountain.
tonight, not a footprint to be seen. A kingdom of isolation, and it looks like I'm the king. The wind is howling like this swirling storm inside. I couldn't keep it in, heaven knows I've tried. Don't let them in, don't let them see. Be the good guy you always have to be. Conceal, don't feel, don't let them know. Me anyway. It's funny how some distance makes everything seem small. And the fears that once controlled me can't get to me at all. It's time to see what I can do to test the limits and break through. No wrong, no right, no rules for me. C'est Play, ta radio. Play, Hit and Mix. Yeah.
for Geeks, l'émission 100% posée. 100% posée. De 100% geek. Un morceau de Flo et X Grand Rodeo, je le trouve vraiment cool. Il envoie du pâté, comme on dit. Du pâté lorrain, même, j'ai envie de préciser, puisqu'on est en Lorraine, donc on mange du pâté lorrain. On fait un petit tour là sur Facebook. Je vois que le fait d'avoir parlé des films d'horreur de 2020, ça a pas mal fait réagir Daros, qui était comme une petite fille. Qui me parle donc qu'il y aura la suite d'Halloween, le retour de Jason, il y a une rumeur qui parle de Scream 5, oui tout à fait, on avait parlé je crois la semaine dernière du nouveau Scream, je ne sais plus, je sais que j'en avais parlé d'un nouveau Scream, mais voilà, je ne sais plus. J'ai pas envie de te dire d'erreur. Evil Dead aura un nouveau volet aussi, mais sans Bruce Campbell, donc le personnage H, et il sera semblant producteur, et c'est dommage vu la qualité de la série H versus Evil Dead. Et je suis ouais. tout à fait d'accord. Complètement, ouais. La série est juste. Elle est oufissime. Autant je suis pas du tout horreur, mais ouais. Vu comment c'est tourné, c'est ouais, non, c'est ultra cool, ouais. Ouais, elle est oufissime. Et pour les nouveaux mutants, il disait peut-être que pour sur Disney+, mais il y croit pas trop. J'y crois pas trop non plus, dans la mesure où c'est Disney+, et je les vois mal mettre un film d'horreur. Enfin, après, à voir comment ils vont diversifier ça, surtout s'ils ont des licences comme Deadpool et ainsi de suite, ils peuvent pousser également dans l'horreur, du coup. Je vois pas ce qui peut leur en empêcher. À voir. Donc là, du coup... On va parler donc des films d'horreur prévus pour 2020 et qu'on attend avec énormément d'impatience. Donc ça a commencé directement le 3 janvier. Là, on décuve de la nouvelle année et boum, film d'horreur qui t'arrive de la gueule. Voilà, comme ça tu feras des cauchemars après avoir été bourré. Donc The Grudge, produit par Sam Raimi, donc la trilogie Spider-Man pour ne pas citer. The Grudge est un remake du célèbre film d'horreur japonais Ju-on the Grudge, sorti en 2002 et réalisé à l'époque par Takashi Shimizu. Le film est réalisé par Nicolas Peche et qui s'occupe aussi de la fonction de scénariste du film. On verra une mère enquêter pour sauver son fils d'une étrange malédiction. Bon, pour ceux qui connaissent The Grudge, c'est un peu... C'est pas vraiment le même principe, parce que c'est pas un enquêteur ou quoi, mais ce sera plus ou moins la même... Comment dire ça ? La même légende retranscrite dans un univers un peu plus contemporain. J'ai vu la bande-annonce. Why not ? Bon, après, voilà. Ju-on the Grudge, je l'ai vu en version originale. J'ai adoré, mais... Voilà, on verra bien. On aura Underwater également, le 10 janvier 2020, réalisé par William Eubank, avec Kristen Stewart dans le rôle... principal, Underwater raconte les aventures d'un groupe de scientifiques piégés sous l'eau suite à un tremblement de terre. À mi-chemin entre le film de monstres horrifiques et le film catastrophe, le film est présenté comme étant à la croisée d'Alien Ridley Scott et Abyss de James Cameron. Et la bande-annonce est déjà en ligne et elle donne envie. Elle donne envie parce que c'est exactement ça, on a le côté très, très renfermé, presque huis clos de Alien, où tu sais pas quand la créature allait surgir, et Abyss, le fait d'être complètement piégé sous l'océan, sans Bernard, bien entendu, mais vraiment dans les abysses profonds, je sais plus à combien de kilomètres ils sont sous la surface, et c'est... Ouais, je suis très curieux. Une ambiance assez oppressante. Très, très oppressante. Hein. Pour tous ceux qui sont un peu claustro, je vous déconseille. Hein. C'est assez violent. À voir alors. On aura le 24 janvier 2020, Color Out of Space. Donc H.P. Lovecraft continue de hanter nos cauchemars pour notre plus grand bonheur. Et quand il n'inspire pas des auteurs pour des histoires originales, donc normalement, en l'occurrence Carnival Row, la série de Prime Video, eh bien on l'adapte. Et donc Color Out of Space est une adaptation prometteuse d'une de ses plus grandes nouvelles. Mais si le film nous excite autant, c'est aussi parce qu'il s'agit du premier film de Richard Stanley, alias Hardware et le Souffle du Démon, depuis qu'il a été viré de son propre projet, L'Huile du Docteur Moreau, donc l'adaptation de l'œuvre culte de H.G. Wells. Et les deux premiers rôles de cette adaptation de la nouvelle de Lovecraft ont été confiés à... Roulement de tambour, Nicolas Cage, Lord of War, Benjamin Gates, et Corinka Kilcher, révélée dans le nouveau monde de Terrence Malick, dans lequel elle interprète avec grâce le rôle de Pocahontas. La couleur tombée du ciel raconte les désastres causés dans la propriété de la famille Gardner suite à la tombée d'une météorite. Nicolas Cage,
Nicolas Cage. C'est tout ce que j'aurais dit. Honnêtement, moi, c'est un argument qui me fait me lancer les yeux fermés. Hein. Ouais. J'ai une addiction à cet acteur, mais... Il fait du bien comme du moins bien. C'est le problème, en fait. C'est... Après, par rapport à ce que je vais présenter, moi, personnellement, c'est un acteur qui m'intéresse énormément. Oui. Je vois dans ses films, il m'ébahit à chaque fois. Bon film d'horreur cette année qui est sorti, Crawl d'Alexandre Aja, oui exactement, même si c'est plus proche du suspense. Non mais je suis d'accord, Crawl. Après, le film d'horreur, alors, c'est ce qu'on parlait la dernière fois, c'est que il y a qu'au cinéma d'horreur où il est tellement, en fait, ce cinéma-là est tellement dégroupé en plein genre qu'il y a plein de gens qui vont faire « Ouais, mais non, mais c'est pas un film d'horreur, ça, c'est plus du... » C'est bon, c'est à partir du moment où c'est catégorisé. Horreur, c'est horreur. Rien, t'as pas ton mot à dire, c'est... Et après, c'est une sous-catégorie. C'est comme si tu prends du métal, t'as du métal lyrique, du néo-métal... Exactement. Horreur, c'est la catégorie mère, et après, t'as tout ce qui va à côté. C'est, les gens voient trop par un genre particulier, sans voir tout ce qu'on peut avoir autour. Il y a plein qui diront, Saw, c'est pas un film d'horreur, c'est un film gore. Bah oui, mais le gore, c'est une sous-catégorie de l'horreur. C'est de l'horreur et du gore, réveillez-vous un petit peu, pauvre fou. On aura donc le 24 janvier 2020, oui, le mois de janvier aussi, ça va être... The Turning, donc sera le tour des adaptations du chef-d'œuvre horrifique. Après H.P. Lovecraft, c'est au tour de Henry James d'être adapté avec son plus grand chef-d'œuvre, le tour d'écrou, The Turn of the Screw, produit par Steven Spielberg, qui désirait au début le réaliser, mais qui réalisera à la place le remake de West Side Story. Via sa boîte de production DreamWorks Pictures, le film est réalisé par Florida Sigismondi, la réalisatrice, entre autres, de quelques épisodes de la série Daredevil, American Gods et The Handmaid's Tale. Elle est surtout connue des fans de rock, puisqu'elle a réalisé un clip pour The Cure, The End of the World, pour ne pas le citer, Muse, Supermassive Black Hole, David Bowie, The Stars Are Out Tonight, Dead Man Walking, The Next Day, Little Wonder, Marilyn Manson, Tourniquet, The Beautiful People, Leonard Cohen, In My Secret Life, ou encore Sigur Rós, Leaning Towards, Solace et Untitled One. Donc c'est une bonne réalisatrice de clips de métal. Ah oui, là on a déjà un bon panel. Hein. Ah bah, Beautiful People, il était très glauque. Très glauque. Allez, pour l'époque, quand on parle. Notez également que le film sera pour nous l'occasion de retrouver Finn Wolfhard, révélé dans Stranger Things et sa partie 1, et Mackenzie Davis, Seul sur Mars, Black Mirror, Blade Runner 2049, Terminator Dark Fate. The Turn of the Screw raconte les aventures d'une gouvernante nouvellement arrivée dans un manoir afin de surveiller deux jeunes orphelins au comportement très étrange. A noter par ailleurs que l'œuvre de Henry James sera également adaptée en série, puisque la saison 2 de The Hunting, donc la suite de The Hunting of Hill House, intitulée The Hunting of Bly Manor, adaptera justement The Turn of the Screw. Donc on aura deux pour le prix d'un, j'ai envie de te dire. Il y a beaucoup de films d'horreur qui sortent cette année, hein. Vous allez vous accrocher, hein. Je vous le dis tout de suite. Il y a Hansel et Gretel qui sortira également le 31 janvier 2020. Oui. En film d'horreur. A priori, donc après avoir réalisé The Black Coat's Daughter en 2015 et I Am the Pretty Thing That Lives in the House, Oz Perkins revient avec une adaptation du célèbre conte des frères Grimm, mille fois adapté. Oui, je pense qu'on n'est pas loin des mille fois. Et si on se fie à ses précédents travaux, on se doute que le film jouera sur une ambiance gothique qui pourrait être très intéressante. A noter par ailleurs qu'Oz Perkins a annoncé que sa sorcière serait terrifiante. Elle sera interprétée par Alice Krieg, Star Trek Premier Contact, Silent Hill, Solomon Kane, Thor, Le Monde des Ténèbres. C'est déjà du bon nom. On est sur la bonne qualité là, je pense. Là, on peut partir sur du bon niveau là. Ouais, ça reste un bon pédigré, hein, dans tous les cas. Oui. On a eu, alors la bande-annonce était plutôt intéressante, c'est une nouvelle adaptation de L'Homme Invisible, donc Invisible Man, qui sortira à mon anniversaire, le 26 février 2020. Voilà, c'est le petit coup de coude pour ceux qui ne savaient pas quoi m'offrir. Tu vas te retrouver avec 5 places de cinéma d'un coup. Ça va être ça. Nicolas Cage, mais quelle coiffure aura-t-il pour ce coup-ci? Ah oui, c'est vrai qu'au niveau capillairement parlant, il a beaucoup changé. Donc cette relecture contemporaine de L'Homme Invisible de H.G. Wells sera l'occasion pour Lade Wellner, scénariste de Insidious et réalisateur du troisième volet de la franchise et de Upgrade, d'explorer les questions du harcèlement. Eh oui,
Elizabeth Moss, June dans l'adaptation de The Handmaid's Tale de Margaret Atwood, jouera le rôle d'une femme malmenée par son petit ami sociopathe et violent. Lorsqu'elle apprend que ce dernier s'est suicidé suite à son départ, elle est persuadée qu'il a créé un moyen de devenir invisible afin de continuer à la tourmenter. Leigh Whannell continue donc son exploration des canaux horrifiques en utilisant ce genre pour explorer des problèmes sociétals. Ce qui pourrait être très intéressant aussi, exploiter le harcèlement. Le harcèlement, de l'homme invisible, je trouve que c'est bien joué de sa part. On aura le 20 mars 2020, film que j'attends avec impatience, Sans abri, partie 2. Le premier film était génial, je l'ai adoré. Alors la deuxième partie, j'attends avec impatience. Donc Sans abri avait été une grosse surprise du cinéma d'horreur de l'année 2018. Très astucieux, ce film réalisé par John Krasinski raconter les aventures d'une famille vivant dans un monde post-apocalyptique dans lequel l'humanité... Oui, j'ai un peu bugué le apocalyptique, t'as vu ? Dans lequel l'humanité vit auprès de monstres aveugles mais très sensibles au son et qui attaquent toute personne qui fait du bruit. Problème, la mère va accoucher. Un film qui m'était donné à rude épreuve et dont une suite arrive prochainement. À noter que l'excellente Emily Blunt, donc Sicario, le retour de Mary Poppins, retrouvera le rôle qu'elle occupait dans le premier film et qu'elle sera rejointe par l'extraordinaire Cillian Murphy impériale dans Peaky Blinders. Donc tu ne l'as pas vu. Pas que Peaky Blinders. Non, hein. Pas que. Mais après, il a joué l'épouvantail également à côté. Oui, mais on va dire que dernièrement, c'est ce qu'il a fait dernièrement qu'il a après, pas mal. C'est ce qu'il a beaucoup propulsé en dernier. Oui. Et tu ne l'avais pas vu Sans abri du coup. Non. Eh ben, très bon film, je te conseille, parce que du coup, il n'y a pas beaucoup de bruit. Et le moindre bruit qu'il y a, ça fait bouger partout autour de toi. C'est dû les bestiaux, ils sont vraiment à l'affût dès qu'ils entendent du bruit. Comme les suricates, tu sais. Les têtes levées comme ça, et puis. Et tu fais un bruit, t'es bouffé. C'est rapide, c'est direct, c'était tranché en deux, et t'en en parles plus. Mais très très bien, très très bien. Et du coup, le fait que la mère va accoucher, vas-y, va accoucher en silence, toi. Très compliqué. Après, grosse surprise, j'ai envie de te dire, ça va peut-être être l'épisode de trop. Saut 9. Oui. Oui, oui, vous avez bien entendu, oui, oui. Un prochain saut est en préparation et sortira donc le 15 mai 2020 avec le petit sous-titre The Organ Donor. Le donneur d'organes. Ouais, donc c'est sans doute une des franchises les plus connues du cinéma d'horreur. Saut revient dans un nouvel opus, The Organ Donor. On ne sait pas si après 8 films, c'est le 9e tout de même, la franchise a encore de quoi étonner les amateurs du genre. On sait peu de choses du film, si ce n'est que l'idée du synopsis vient de Chris Rock, Empire, qui jouera le rôle principal et qui sera rejoint par le légendaire Samuel Lee Jackson. Est-ce que je dois citer sa filmographie ou ça va aller ? Je pense qu'on peut s'arrêter Pulp Fiction, Les 8 salopards, voilà. Oui, il y en a tellement que là, on n'a pas fini. L'écurie. Hein. Le film est de Darren Lynn Boozman, déjà réalisateur sur les deuxième, troisième et quatrième volets de la franchise. Moi, j'ai trouvé que le 8 concluait bien la saga. Il va en faire un 9e. Ça risque d'être le film. Ou commercial ou suite plus... logique. Suite ils veulent logique. Bah, pas logique, mais est-ce qu'ils veulent relancer sur autre chose peut-être à côté ? Je sais pas, surtout que après, voilà, lui terminait bien. Ou pas que ça, comment dire, que ça contourne autour du pot au final pour rien. C'est oui. Ça. Je pense que ça sera juste plus un coup. Juste pour en faire un nouveau, quoi. C'est plus un coup commercial qu'autre chose. C'est ça. Le 12 juin 2020, oui, j'en ai encore deux qui sortent. Et là, celui-là aussi, je l'attends avec impatience. Candyman. Eh oui. Sorti en 92 et réalisé par Bernard Rose, Candyman est aujourd'hui encore considéré comme un des meilleurs films d'horreur de cette période. Racontant les aventures d'une étudiante en fin de thèse dont la vie bascule dans l'horreur à cause d'une légende urbaine, le terrifiant Candyman qui apparaît quand on prononce 5 fois son nom. Candyman est avant tout un film d'horreur social traitant des dégâts causés par le racisme et le communautarisme. Donc normal donc, Jordan Peele, le génie du cinéma d'horreur pour les athélos, réalisateur des excellents Get Out et Us, que je vous recommande, mais sans plus attendre, parce que c'est deux excellents films. Passionné par la question du racisme aux USA, fut intéressé par l'idée de relancer Candyman dans un film qui se veut être dans la continuité. S'il n'occupe pas le rôle de réalisateur, c'est Nia DaCosta qui se voit l'honneur de réaliser le film, il en assure le scénario. Nathan Stewart Jarrett, Misfits, Aya Abdul-Mateen de la série Watchmen, Aquaman, Black Mirror, Teyonah Parris, Mad Men, WandaVision, et Coleman Domingo, Fear of the Walking Dead et Euphoria forment le casting principal du film. A noter par ailleurs que Jordan Peele, de son côté, produit une série d'horreur HBO centrée sur l'Amérique
ségrégationniste qui s'appelle Lovecraft Country. Donc moi, je suis comme un petit enfant devant le cadeau de Noël quand j'ai entendu Candyman. Et enfin, pour terminer, Last Night in Soho, le 25 septembre 2020. Et après nous avoir comblé avec les désopilantes comédies Shaun of the Dead, Hot Fuzz et Le Dernier Pub avant la fin du monde qu'il a réalisé et scénarisé avec son pote Simon Pegg, le Britannique Edward Wright quitte le domaine de la comédie pour nous pondre un vrai film d'horreur psychologique. On ne sait pas grand-chose du scénario, tout au plus savons-nous que Wright est inspiré de Répulsion de Roman Polanski, mais on sait que Matt Smith, Dr. Who, sera de la partie. Tu sens la hype qui est en train de monter là? Bah, là d'un coup j'étais pas trop hype, mais tu m'as bien motivé d'un coup là. Hein. Là, la hype elle est en train de monter là. Ah, hein. Carrément. Hein. Ah, mais je parce qu'après, faire de l'horreur pourquoi pas, tu me parles de psychologie du coup un peu plus, et Matt Smith ça m'a suffi. c'était cadeau ça, c'était cadeau. Non, voilà, on va avoir encore une belle année 2020 entre des films d'horreur de qualité, ou d'autres un peu moins. Du Disney, en veux-tu, en voilà. Voilà, il y a de quoi faire. Je pense qu'on est sur un bon cru pour cette année déjà. Tout à fait. Allez, on va se marquer une courte pause. On va s'écouter deux morceaux, Aqua Times, Velonica et You Were World de Kikido. Et après, on enchaînera ta chronique avec un film que tu adores, à savoir Beowulf. Exactement. C'est bien ça. Voilà, j'ai spoilé, je suis comme ça. C'est tout. Bon, je rappelle juste que vous pouvez nous appeler pour jouer donc, une partie pour 4 personnes à Team Break Terville pour de l'Escape Game. Hein, nos partenaires qui nous ont généreusement offert cette partie pour 4 personnes. Pour cela, il suffit de nous appeler au 09 77 19 90 90, de trouver 3 morceaux, enfin 3 extraits sur 5 pour un blind test, et vous serez sélectionné pour le tirage au sort qui aura lieu lundi prochain. Voilà, donc on va se laisser là, on va s'écouter ces 2 petits morceaux et on revient juste après. A tout de suite. Tous les hits et les meilleurs mix sont sur Play. その扉目線で脱がす手のひらから笑って落ちていく綺麗必死で集めさまよったからこのストーリー大切
dans les misères. Quelqu'un dans mon alcool comme elle. から吠えてな狂ったたた挫折プラス本気の瞬間だ地雷ヘディングパンチ見せる激怒一桁でもない革命 Let it roll Shake a vanity again 鼓膜飛ばす Let it roll Shake a vanity again 対応し合ってしまった僕の瞳は月を映し輝くことはないよ尽きない欲と願望に当てら次の夏は大切な思い出も少し置いて行こう全て背負ったままじゃ渡るには重くてそうしてまた出会った時には少しの刻温めてくれうまく置いていけたら溺れないで捨てないでまた会えるから Let it roll Ce soir, 20h30, 22h30, on s'enjaille un max avec Canapé 4 Geeks, l'émission 100% posée de 100% geek. Et nous voilà de retour après ce petit interlude musical. Ça fait très speakering, vieille speakering, ça veut dire. Vieille speakering avec de la barbe, d'ailleurs. Donc de retour sur playfm.fr, bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre sur le live en direct et également sur la web radio, donc playfm.fr. On vous souhaite à tous la bienvenue déjà, avant toute chose, même s'il reste encore 20 minutes à tout casser, grand max, 20 minutes. Mais bon, d'ailleurs on va jouer d'ici peu de temps parce que j'ai vu des personnes qui essaient d'appeler, mais encore une fois, je sais pas, il leur fait qu'à sa tête. Bon, essayez de nous appeler pendant nos chroniques, on va essayer de vous prendre pendant, justement, ce sera peut-être plus facile, je sais pas, on verra bien. Bon alors toi, oui. Herbie, oui, oui. C'est l'heure de ta chronique, oui. Que j'attends avec impatience. Du coup, en plus, j'ai fait mes devoirs, du coup, t'as fait tes devoirs toute la semaine. Très bien, je te donnerai une note à la fin, sur 20, bien sûr. Un bon point au moins. Hein ? Un bon point au moins. Oui, on va intégrer le bon point, oui. Allez, dis-nous tout. Donc tu veux parler de Beowulf. Beowulf, voilà, du coup un nanar, parce que comme je disais, c'est un style de cinéma, si on peut classifier ça comme un style de cinéma, que j'affectionne. C'est un style de cinéma ? C'est assez subjectif hein, en général. Ouais, mais c'est devenu par la force des choses. Par la force des choses, c'est devenu un style. Du coup, des nanars. Oui. Donc avant toute chose, qu'est-ce qu'un nanar ? C'est une bonne question pour ceux qui ne savent pas. Parce c'est que pas du, un Bernard, du c'est coup, pas Pinard. On l'emploie beaucoup. On l'emploie peut-être à tort à travers des fois. Oui. On le confond souvent également. Mais donc on est sur un style donc, de cinéma qu'on emploie en général dans le cinéma pour qualifier un film qui n'est pas forcément très bon, mais qui est très divertissant par contre à côté de ça. Oui, c'est un film qui déjà se veut pas sérieux. Voilà, c'est un film qui n'est pas sérieux. Après, logiquement, en nanar, on est sur un film qui se veut sérieux, mais qui ne l'est pas au final. Oui, c'est à ne pas confondre avec une grosse bouse galactique. Voilà, justement, c'est ce que je disais, à ne pas confondre avec un AV où devant, on regarde, on se fait chier. Oui. Basta. Catwoman, Rumble Evolution, voilà, pour ne pas en citer d'autres. Ouais, du coup, j'en avais un autre en tête qui m'était venu au moment où je regardais Beowulf. Je pensais, je sais pas pourquoi, en production française, du coup, mais Taxi. Il y a un petit grand merci à Luc pour ce scénario magnifique. Ouais, enfin, Luc Besson, moi je suis pas très fan, à part le cinquième élément, le reste. Bon, après, voilà, surtout le cinquième élément, il y en a beaucoup d'autres aussi, j'ai pas forcément compris ce qu'il essaie Quel de faire. Quel est l'objectif ? C'était quoi le projet ? C'est ça. Donc, le nanar. Et aujourd'hui, plus particulièrement, comme tu disais, Beowulf, donc un nanar qui m'a énormément surpris, marqué, désemparé,
Oui, c'est un film, tu sais pas trop comment le regarder en fait. Tu sais pas si tu dois le prendre vraiment sérieusement ou si... À la base, c'est un film qui se veut sérieux. C'est ça, du coup, ouais. La chose qui sublime, disons, voir le film en général, c'est que c'est un film sérieux, mais du coup, on est complètement hilaré dedans, du début à la fin. Oui. Sur ça. Ouais, c'est d'accord, là-dessus. Donc, pour résumer la chose, en soi, on est sur un monde plus ou moins post-apocalyptique, mm-hmm. médiéval, où Beowulf arrive dans un château où en gros il va abattre un méchant, un gros coup de baf. Je suis le méchant, je veux tuer la gentille, c'est ça ? Voilà, on simplifie là-dessus parce que sinon oui. Le synopsis, si on regarde les synopsis officiels, on est sur des... Je comprends pas non plus. Le synopsis aussi même du nanar. Le synopsis s'est perdu dans son explication. Alors, c'est... Oh, regardez-le. Honnêtement, non, il faut regarder pour s'en apercevoir, comme quoi on est vraiment sur quelque chose de... Après, donc, du coup, comme je disais, Beowulf, donc, à ne pas confondre avec la légende, du coup, le poème nordiste, anglo-saxon, parce qu'ils ont pris le nom de Beowulf et ils l'ont mis sur un film. Oui, c'est exactement ça. Voilà. C'est exactement ça, c'est tout à fait ça. On va commencer par la... Petite intervention juste de Daros, qui, oui, effectivement, donc Beowulf, Christophe Lambert, Besson, c'est aussi Nikita, Léon, Sedoué, oui, Le Grand Léon, Bleu et Le Cinquième Élément. C'est vrai que là, pour le coup... Justement, j'ai cité Taxi pour dire « j'ai pas compris ». Oui. Après, c'est vrai que Besson a fait quand même, voilà, Léon. Léon, magnifique. Ça a été génial, Le Grand Bleu, grand monument du film français, quoi qu'on puisse en dire. Sur ça, c'est sûr qu'il a su relancer un. Et puis après, il y a eu la drogue, et puis. Oui, et après, je sais pas, il est parti dans un délire complètement, je sais pas. Il s'est perdu même sur, j'ai pas compris le phénomène de Lucie à côté de ça. Moi non plus. J'étais en haleine tout le long, et quand on arrive à la fin, j'ai... Ah oui, c'est ça la conclusion ? Notre évolution, c'est devenir une clé USB ? Une clé USB, voilà. C'est ça ? C'est... Est-ce que c'est une critique de la société ? Mais bon, après, à force de faire des critiques de la société, on s'en perd. Oui. On a compris qu'on est des consommateurs, des machines informatisées. Maintenant, il faut trouver un nouveau sujet. Mais même, il aurait dû trouver quelque chose, un final un peu plus... Je sais pas. Non, parce que surtout là, qu'il y a terminé sur une clé USB, il y a exploité derrière encore. Hein. Il aurait pu faire même une suite en partant sur autre chose. Oui, oui. Mais c'est vrai que le début, ça augurait quelque chose d'intéressant. Et puis après, c'est comme, tu sais, t'as la dynamique, tu vois, la mèche qui arrive au bout et t'as un mec... À la fac, il voilà, est là. C'est exactement ça. Là. Non, bah non, bah non, on va remplacer par un petit pétard. Non, même pas un pétard, un claque-doigt. Tiens, démerde-toi avec ça. Et son dernier, Anna, c'est pire. C'est la copie de Nikita, mais en moins bien. Déjà, copier son propre film, c'est pas bien. Mais en plus, si tu le fais en moins bien. On voit où l'inspiration arrive. La drogue. Voilà. C'est tout. C'est tout. Donc Beowulf, vas-y, continue. Du coup, Beowulf, je disais, donc incarné par notre cher cri-cri national, Christophe Lambert, je veux dire. Donc, qui est un des premiers acteurs français à s'exporter aussi à l'étranger, il ne faut pas l'oublier. Bon, c'est pas forcément que du bien, mais... Oui. Au moins, il est présent à l'international. Du coup, je disais, il donne des grosses baffes à tous les méchants, il fait des saltos un peu partout. Oui, il aime les saltos, vous en voyez du début à la fin, tout le temps. Le gymnaste qui est engagé pour ça, je pense qu'il a dû toucher un gros chèque à la fin. Peut-être le plus gros investissement du film. Par contre, je te coupe, on va prendre quelqu'un en antenne. Il y a quelqu'un qui est en train d'essayer de nous appeler. Donc on prend en antenne tout de suite. Allô, allô ? Allô ? Allô, oui, c'est qui ? C'est oui. Qui, genre ? C'est Dom. C'est Dom, ok, Dom. Dom, tu nous viens d'où ? Gandrange. Gandrange, ah bah tiens, Gandrange en plus. On travaille pas mal avec Gandrange. Ouais. Et tu fais... Ouais, oui, on travaille pas mal avec Gandrange, donc on fait pas mal de fêtes de la musique. Bah, la fête de la musique, je crois qu'on fait, on est à Gandrange, on anime les fins de soirée. Enfin, pas nous, mais la radio en soi. Dom, tu nous appelles du coup pour jouer pour ta partie avec, pour 4 personnes, à Team Break, une partie d'Escape Game, c'est bien ça ? Exact. Non, j'ai appelé, j'ai vu de la lumière, j'ai dit, bon, tiens, je vais appeler, je vais les faire chier un peu. Ok, Dom, tu fais quoi dans la vie, juste ? Autre chose. Personnellement, moi, je suis patron d'entreprise. Oh, excusez-moi, monsieur Dom, alors. Monsieur. Ouais, excusez-moi. C'est mieux, ouais, je préfère. Ouais. et il a quel âge pour oser me dire ça, monsieur Dom ?
Ah, il a 36 ans. Ok, d'accord. Bon, alors, bah, ça va. 37 ans, 36 ans. Moi, je suis un enfant. Hein. Oui, non, mais toi, t'es encore mouillé derrière les oreilles. Ça passe. Donc, Dom, on va jouer ensemble. On va faire un blind test. Est-ce que tu es chaud au blind test ou alors tu es une quille? Une quiche peut-être, mais une quille, je sais pas. Ah, on reconnaît les Lorrains. Ouais, non, c'est une quille. C'est le truc qui tombe. Tu sais, ça. Ouais, Lorrain est fier de l'être. Oh là là, oh. Ah, attention, monsieur est patron, et en plus de ça, il picole la Mirabelle. Attention, bon, allez, on va faire un blind test. Qu'est-ce que tu as envie? Du dessin animé 80-90, du Disney, des émissions, des films, jeux vidéo, manga, pub ou série? Ah, j'adore tout ce que tu viens de dire, mais je vais rester quand même dans mon domaine de prédilection, je vais rester dans les films quand même. Quoi. Les films? Ah, ok. Ouais. Alors, je t'explique, on va te passer 5 extraits, tu m'en trouves 3, tu es sélectionné pour le tirage au sort qui aura lieu lundi prochain, parmi tous ceux qui auront joué avec nous. On est d'accord? Allez. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? Alors. Premier extrait, c'est parti. L'exorciste. Je crois qu'il l'a dit. Hein. Tu as dit quoi? J'ai dit l'exorciste. Non. Allez, je te laisse encore deux chances. Merde, c'est pas l'exorciste. Non, c'est pas l'exorciste. Alors, je sais que c'est du lourd, je sais que c'est ultra connu, mais oui. Alors ma parole, c'est quoi? J'étais tellement persuadé que c'était l'exorciste. Et du coup, c'est pas... Ah non, mais je te rassure, et monsieur, coup, hein, oui. Ça aurait été pareil. Hein. Ah, merci. Non, pas d'idée? Ah non, là, ouais, là, je suis un chien. Halloween. Ah! Oui, non, mais... On a sorti le merde qui voulait bien sortir. Bon, bah, déjà, première mauvaise réponse. Ouais, premier gros bid, quoi. Oui, ouais. Voilà, c'est pas grave, on va se refaire. Il reste encore 4 extraits, c'est pas perdu. Allez, nouvel extrait, c'est parti. Retour vers le futur. Oui, bien, retour vers le futur, exactement. Donc ça fait déjà un point. Nouvel extrait. Ah mais c'est sérieux quand tu mets Avengers, quoi. on sent le mec qui adorait Avengers. C'était bien ça, Avengers. Donc du coup, on est sur deux bonnes réponses. Deux bonnes réponses. Ouais. Plus qu'une bonne réponse et ce sera gagné pour être dans le tirage au sort. Allez, on va faire quoi? On va faire ça. Très vieux film, je te donne un indice. Enfin, très vieux film. Ouais, non, mais c'est pas ça, c'est juste que ça me parle, le son est pourri au téléphone, mais... Je peux même pas te donner l'indice, parce que si je te donne... Ah bah, l'indice, il est... Ouais, je pense que tu c'est cadeau, que tu... quoi. Mais ouais, c'est cadeau, au final. Putain. Là, je peux pas donner... Ouais, bah, je donne ma langue au chat, hein. Bah pour le coup, tu devrais donner ta langue à l'extraterrestre. En plus, ils en ont parlé cette semaine. Non, Titi, c'est hein. Pas oui. Si, c'était E.T. Bon, bah tant pis, bah dans le cul. Allez, dernier extrait. Encore une chance. Allez. Encore une chance. Alors, je peux partir sur un truc très simple, mais du coup, ce serait donné. Ou je peux partir sur des trucs un peu moins faciles. T'es d'humeur méchante ou d'humeur gentille? Moi, je n'ai pas payé pour être gentil. Je suis toujours gentil, moi. Lui, il est gentil. Bon, allez, bah, ça va être cadeau. Allez, dernier extrait. Ah, oh, je vais voir le 9 le 18 décembre. Ah bah ouais, bah voilà, c'est même pas bon ça. Je n'ai même pas besoin de te demander le nom. C'est, bah, du coup, c'est gagné. Alors, tu feras partie, du coup, au tirage au sort des personnes qui auront joué avec nous ce soir pour pouvoir tenter de remporter cette partie d'Escape Game pour 4 personnes. Genre, Baragune, tellement bah, le morceau est bon, j'ai envie de te dire.
Et du coup, ce que je vais te proposer de faire, c'est, après avoir accroché, de nous laisser tes coordonnées via la page Facebook de la radio. Tu nous laisses ton numéro de téléphone, ton nom et ton prénom. Et si tu es sélectionné et du coup bah, tiré au sort, on te rappelle la semaine prochaine pour t'annoncer la bonne nouvelle. C'est d'accord ? Ouais, hé, mon bichon, comment je fais pour si j'ai pas Facebook ? C'est une bonne question. Parce que moi, la culture geek, je suis fan, mais Facebook, tu vois, c'est vraiment pas mon dada, quoi. Tu vois, je suis Instagram, je suis Snapchat, mais Facebook. Attends, c'est obsolète, quoi. Tu as Instagram? Ouais, j'ai Instagram. Ouais. Eh ben, écoute, envoie-nous un message sur sur Instagram directement. Tu nous cherches sur Play It & Mix et tu nous envoies un message sur Instagram. Allez, ça va. Ok. Eh ben, je te remercie beaucoup, Dom, d'avoir joué avec nous. Je te souhaite une très bonne soirée et reste fidèle à Play Radio. Bonne soirée à toi, Dom. Eh ben, moi, je vous dis juste bonne continuation et surtout ne vous arrêtez jamais, les gars. C'est gentil. Merci beaucoup. Merci à toi. Salut et puis bon courage. Allez, demain pour le tout, travail, hein. Alors. Ouais, ça va le faire. C'est lui le patron, donc oui, ça va le faire. Ah, toujours. Bonne soirée à toi, Dom. Salut. Bonne soirée. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Allez, salut. Eh ben, dis donc, il était chaud comme la braise. Ah, il était bien chaud. J'aime bien, j'aime bien. M'appeler mon bichon, mais patron d'entreprise. Excusez-moi du peu. Ouais, il est costaud, hein. Et... ouais, il était bien en forme. Hein. Ouais, il était en forme. Lui. À mon avis, l'apéro a duré. a dû un peu déborder. Il a peut-être pas fini l'apéro, hein. Je te coupe tout de suite. On prend tout de suite un autre appel. T'as, ça y est, ça enchaîne quand même tout de suite. Allez, on reprend tout de suite un appel. Allô, allô. Allô, allô. 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 Ah, ça je reconnais. Ah. Ça, c'est Jérôme, ça. Ouais, salut. Salut Jérôme. Oh, c'est lointain, hein. Jérôme, c'est un habitué de la radio qui nous écoute souvent, très très souvent. Donc, ça fait plaisir de l'entendre rappeler. Ça va, Jérôme? Ouais, ça va bien. Bah oui, écoute, ça va toujours les lundis soirs, on est toujours en forme et toujours de bonne humeur. Je suppose que t'appelles pour la partie des escape games, bien ça? Oui, bah, j'ai essayé, ouais. Ouais, bon, bah, allez, parfait. Bon, bah, tu connais le principe, hein, 5 extraits, 3, tu nous en trouves 3, et puis du coup, tu seras sélectionné pour être tiré au sort lundi prochain. Ça te va? Ouais, ça va, très bien. Ok, alors, qu'est-ce que tu as envie? Tu as envie série? Tu as envie réplique de film? Animé 80-90. Là, tu me fais plaisir. Hein. Ah bah écoute, bah alors. Parfait. Alors, 5 extraits, 3 bonnes réponses. T'es sélectionné. Oui. Alors, c'est parti. C'est année 80-90. Premier extrait, tout de suite. Justicier, passe par des pour sauver la paix. Des guerriers. Masque, oui, bien. C'est un clin d'œil pour moi. Hein. Pourquoi t'adorais Masque, c'est ça? Non, tu me l'as fait la semaine dernière. Ah oui, mais je te l'ai fait la semaine dernière, c'est vrai, exactement. Allez, nouvel extrait, c'est parti tout de suite. Est-ce que tu l'as, Jérôme? Cobra. Oh, oui, oh punaise, il est fort, Jérôme. Bien joué. Hein. Très, très fort. Il a une très bonne culture, oui. Jérôme. Ouais, hein. Cobra, ça fait 2 points. Eh bien, écoute, j'ai envie de te dire encore un bon. Et tu seras sélectionné pour le tirage au sort. Alors, je vais essayer de trouver quelque chose de compliqué. C'est-à-dire que les animés 80-90, à partir du moment où tu les connais, c'est dur. Tu les connais pas par cœur. Et quand je vois la liste que j'ai... Sachant que c'est des génériques, des openings qui restent très facilement en tête. Allez, celui-là va. De Barbara Tribord, tu veilles sur la galaxie, sur la liberté aussi. Le bel Atlantis est ton vaisseau. Le pavillon noir est son drapeau. Atlantis. Oh là là, mais dis donc, eh bah du coup c'est gagné, hein.
Bien joué, Jérôme. Bien joué. Félicitations, en tout cas, parce que là, ça se voit, en tout cas, que Jérôme a une très, très bonne culture sur les... Il avait déjà joué plusieurs fois avec nous, et c'est vrai qu'on est toujours emballé par, son niveau de geekerie, j'ai envie de te dire. Bien joué, Jérôme, en tout cas. Bravo à toi. Merci. T'as toujours un très bon niveau, hein, là, pour le coup... Respect, monsieur Colo, j'ai envie de dire. Bon alors, Jérôme, tu connais le principe, hein, tu nous envoies un message après avoir raccroché, tu nous envoies un message privé avec tes coordonnées, ton numéro de téléphone, et si la semaine prochaine on te tire au sort pour les places, eh ben, on te rappelle pour te l'annoncer. Ça va ? Merci beaucoup. Mais de rien, Jérôme, je te souhaite de passer une très bonne soirée à toi. Ça fait souci d'avoir une société législative de tout le monde. Oui, on va normalement l'année prochaine. L'année prochaine, du coup, parce qu'on va bientôt être l'année prochaine. L'année prochaine, on va en faire. On va en faire pour toute l'équipe, avec toute l'équipe et pour les personnes qui veulent. On pourra leur envoyer des photos dédicacées. Pas de soucis, Jérôme. Ah ouais, c'est vraiment génial. Merci, c'est gentil beaucoup, Jérôme. Merci beaucoup. On te souhaite une très très bonne soirée à toi, Jérôme. Ouais, merci. À très bientôt. Salut. Merci, au revoir. Salut. Voilà. Ah. Très bonne culture. Il a une très très bonne culture. Ah oui. Il a une très très bonne culture. Il est très impressionnant là-dessus. Là, pour le coup. Bah écoute, ça fait déjà deux personnes qui ont joué. Ouais, deux personnes, oui. Ouais. Et donc, deux personnes qui ont réussi à le chef d'entreprise, là, c'était limite. Hein, T'as vu ça, mon bichon ? Oui, mon bichon. mon avis, il doit nous écouter, mais il doit tellement kiffer, limite, il est pote avec nous. Quoi. C'est quand tu vas lui revenir avec les bouteilles de bière. Hey, les bichons ! C'est bien pour l'apéro. Oui, c'est plus l'heure là, c'est plus l'apéro, c'est le digestif. Allez, on continue pour ta chronique, du coup, ça nous a... Du coup, oui, pour Beowulf. Beowulf. Donc, on a un peu expliqué la chose de comment elle était. Ouais. Donc, comme je disais, j'ai expliqué le synopsis. Après Beowulf, il faut savoir que c'est un film fantastique américain qui a été réalisé par Graham Baker. Ouais. Et qui est sorti le 28 avril 1999. 99 déjà. Donc, oui, ça fait quelques temps derrière, donc... Après, ça fait 20 ans. Graham Baker, il faut savoir qu'il a réalisé 5 films entre 81 et 99, mm-hmm. et que sa carrière s'arrête là. D'accord, ok. Du coup, on n'ira pas savoir le pourquoi du comment. Non. Donc, Beowulf est également produit par le producteur de Mortal Kombat, ouais. également avec un rôle particulièrement pour Christophe Lambert est aussi dedans. Donc, on est encore sur autre chose, donc à découvrir pourquoi pas une prochaine fois. Mm-hmm. Mais c'est bon, rien que ça, c'est une chose qui m'a tout de suite appâté pour regarder Beowulf. Tu m'étonnes. Donc pourquoi un nanar ? Donc il y a plusieurs choses qui font que Beowulf est un nanar, et j'ai envie de dire que le film entier, tout simplement, que ça soit l'ambiance genre post-apocalyptique médiéval où on rajoute un petit peu de technologie de modernité et on sait pas d'où elle tombe mais elle est là dedans quand même. Que ce soit les costumes et les accessoires, donc il faut voir qu'ils ont un panel mais inimaginable. Dedans, il y a une épaissie qui peut te servir à léguer tes arbres si tu as envie de faire un peu de jardinage. Ils ont des mini-arbalètes pour enfants à air comprimé, j'ai l'impression. On a une lance avec un coup de pizza au bout. On a des casques de Robocop ou des casques intégrales sans ouverture, on sait pas pourquoi, mais ils sont là aussi également présents. Enfin, tout un panel, comme je disais, ultra complet, que ce soit en passant par le blouson de biker en cuir, on a plein de choses. Ouais. Après, on peut passer un petit tour aussi sur les dialogues. On va survoler alors. Hein. Survoler. De toute façon, comme tu disais, tu as très bien imité d'ailleurs le rire de Christophe Lambert qui nous met quasiment, enfin qui nous paraphe quasiment à chaque phrase pour nous dire, enfin pour nous inspirer, comment on dit. La peur, la méfiance, c'est le rire, l'amour. C'est le rire couteau suisse. Voilà, couteau suisse, comme ça t'aide d'ailleurs. Je te fais peur. Je t'aime. Une expression faciale, une gamme monochromique en parole. On a tout ce qu'il faut pour faire que ça soit un bon nanar, du coup. Oui, voilà, pour le coup, oui, je l'accorde. Après, on a l'ambiance musicale où on a de la techno house agrémentée de riffs de guitare lors des combats. On est sur une ambiance, comme je disais... toujours post-apocalyptique moderne, mais ouais, médiéval en même temps. C'est vrai que la musique techno, moi, ça m'a marqué parce qu'elle est omniprésente. Omniprésente. Et elle est beaucoup trop.
On l'a du début à la fin, que ce soit pour les dialogues, les combats, les scènes de suspense, tout. Ouais, t'es le mec, il a payé un compositeur, toi tu fais de la techno, tu feras tout le long. Mais, ah oui, mais oui. Non, tu fais que techno, c'est sera techno. C'est futuriste, post-apocalyptique, c'est de la techno. Le mec, il a 5 sons qu'il envoie du début à la fin. C'est ça. Il balance un riff de guitare et on a la musique. Du coup, je parlais des combats, mais comment ne pas louper les combats, surtout avec le grand méchant présent. Je sais pas si tu t'en souviens, mais pour moi, c'est la suite logique de Alien vs Predator. On a Alien et Predator, leur lune de miel à Bamako. Donc, on a le digne fils de Alien et Predator qui est réincarné, parce que même l'époque ne correspond pas du tout, qui est présent, avec une bonne touche d'image de synthèse à droite à gauche qui floute l'écran de tous les côtés. Dégueulasse. En limite, j'ai envie de te dire, c'est. Je sais pas si je préfère voir un fond vert ou ça. Les deux. Les mecs qui courent derrière le gars avec le fond vert. On n'en est pas loin, j'ai envie de te dire. Oui. Après, pour donner une dose un peu plus réaliste, tu rajoutes un caméraman qui a la Parkinson en même temps qu'il filme. Oh bordel. Et là, du coup, t'as l'impression qu'il y a un tremblement de terre à tous les étages. Ah, je supporte pas les films comme ça, j'ai envie de vomir après avoir vu un film comme ça. Mais qu'il est mauvais, mais parce que... T'as le mal de mer. Ouais. Tu vois... Si tu supportes pas une traversée en bateau, ne regarde pas le film. Non, c'est la traversée du désert, surtout, le film. Ça va, il est complet. Rose qui demande, il y a des dialogues dans le film. Il y a des rires, surtout. Oh, il y a des dialogues. Voilà. C'est monosyllabe. Sinon, pour finir, j'ai zappé exprès deux petits points que j'aime particulièrement ou sur lesquels on peut s'arrêter. C'est sur les acteurs. Donc, Christophe Lambert, à côté de ça, il faut pas oublier dans quoi il a pu jouer. Non. Il a été dans Highlander avant ça, forcément. Mortal Kombat, ouais. Road Killers, ouais. Ou encore, par contre, Greystock. Que je conseillerais, c'est donc La Légende de Tarzan. C'est de Tarzan, par contre, oui. Du coup, très vieux film, très vieux film, oui. Mais sur lequel, par contre, là, il m'a surpris. Il est très bon, il est très bon. Mais sans compter Christophe Lambert, il y a une autre personne dedans qui est intéressante à voir, c'est Rona Mitra. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Je ne sais pas. Moi, ça ne me parle pas comme ça. Ah, du coup, une petite touche au jeu vidéo. Il faut savoir que c'est une actrice qui a servi d'avatar pour Lara Croft, Tomb Raider, deuxième du nom. D'accord, ok. Donc, okay. Ils sont servis d'elle. Elle a joué également dans Ali G, pour ceux qui ont pu voir le film. C'est la méchante secrétaire. Elle a joué également dans Doomsday. Toi qui aimes un peu plus peut-être les films d'horreur. Oui, ça me dit quelque Doomsday. Chose. Après, sinon, elle fait pas mal d'apparitions en série, que ce soit dans The Practice ou encore dans Nip Tuck, comme tu parlais tout à l'heure. Ouais. Et sinon aussi, ou peut-être où t'as pu la voir, c'est Underworld 3, celle qui incarne la joyeuse héroïne à l'intérieur. Enfin, dans le film. Oui, parce qu'à l'intérieur, c'est un peu dégueulasse. Et le dernier... Il y a Daros qui dit les mecs des effets spéciaux, ils étaient plus au fond du verre que sur le fond vert. Daros, putain, tu m'avais manqué, merde. Du coup, avec tout ça, on est sur un bon nanar. Et la dernière chose que j'ai laissé vraiment pour la fin, c'est. Je sais pas comment dire, c'est ce que je préfère dans tout le film, c'est mon moment préféré, c'est la scène de fin du château. Ah, je me rappelle plus du tout. Alors, j'ai dit Parkinson, on peut voir, on peut même limite définir les matériaux utilisés pour la maquette. On voit le monsieur qui s'amuse avec un déodorant et un briquet derrière également. Moi-même, ouais, le mec derrière allumer le briquet. Limite, on en a ça. Oh, j'ai l'impression qu'il cache des petits pétards dans la maquette également. C'est une scène, mais honnêtement, rien que de voir cette scène-là ou de penser à cette scène-là, j'ai envie de revoir le film. Je vous assure, je l'ai même pris avec moi, je l'ai en DVD avec. Il le chérit. Pray Lord Beowulf. C'est une de mes richesses que je préfère. Et honnêtement, rien que pour la scène de fin, le film va avoir. Elle vaut tout l'ordre. Le tout ensemble, je vous assure, ça reste un pur chef-d'œuvre de nanar. On est sur du pur nanar, un film qui est sérieux, qui se veut sérieux. Et dans lequel, je vous assure, vous serez toujours de plier en quatre du début à la fin. Que ce soit par les échanges de dialogue, les effets spéciaux, ou même le scénario qui reste tonitruant. Ok. Bon, bah écoute, je pense que t'en as fait une belle... Et un beau descriptif. Du coup, ça m'a redonné envie de regarder à nouveau. Rien que pour le... Tu vois... Si tu veux, je peux te le prêter, mais non, attention. Je pense que je dois l'avoir dans toute ma liste. Je pense que je vais pouvoir le retrouver. Voilà. Bon, bah écoute, c'est sur ta chronique qu'on va s'arrêter là. Hein. On a déjà dépassé de 10 minutes. On aurait dû s'arrêter il y a 10 minutes. Mais on a eu des gens qui nous ont appelés
en fin d'émission, donc bah voilà, on a répondu. Voilà. Bon, en tout cas, ça nous a, on a bien rigolé quand même ce soir. Merci à toi pour ta chronique. Merci à tous ceux d'avoir suivi le live et également l'émission sur playfm.fr. On vous remercie énormément. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux. Et n'oubliez pas qu'avant la fin de la vidéo, je voudrais que vous laissiez un petit like ou une petite, un petit cœur là sur la vidéo. C'est bien beau de commenter, mais il faut aussi liker pour qu'on puisse être partagé et suggéré à le plus grand nombre. Et donc, plus de monde, plus de plus beau cadeau. Voilà, c'est tout simplement ça. Allez, on vous embrasse très fort. On vous souhaite une très bonne soirée. On va se quitter avec Yui, Rolling Stars, et ce sera suivi par We Are Number One. En attendant, prenez soin de vous, portez-vous bien, et on n'oublie pas qu'avec Canapé for Geek, il n'y a pas que la vraie vie dans la vie. Et oui, tu ne l'as pas dans encore. La vie. Dans la vie. Merci. Bonne soirée à tous. Ciao. Bonne soirée. じゃあ帰り道夕暮れのバス停落ち込んだ背中にバイバイバイ君